d'Internet. Tous, tout du monde de Grindr. C'est eux avec qui tu jases. Ouais. Je me fais des amis. J'adore les gens qui leur font d'autres profils. C'est du sperme dans leur poil. Moi, pour vrai, les gars avec les poissons, là, je sais qu'on en parle tout le temps, là, mais moi, je pensais que genre les haters sur Internet, c'est parce qu'ils passaient trop de temps sur leur ordi. Mais finalement, tu check leurs photos et ils font tout du plein air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air, aussi? Ou de la chasse, ils ont des guns. La c'est peinture, le fun. Des chaloupes, je sais pas. Ils sont misogynes et ils ont une carabine. Ah, c'est rassurant. Un beau mélange. Ah, bonsoir tout le monde. Merci full d'être là. Pour vrai, c'est vraiment cool. C'est tellement excitant, là. Pour vrai, quand on a mis en vente le Club Soda, j'étais comme, on va vendre comme 200 billets, puis ça sera pas gênant. Puis c'est correct. C'est ceux qui nous aiment le plus. C'est ça. Ah oui, non, vraiment, merci d'être là. On est vraiment, vraiment excités. Mon amour... Aujourd'hui, je pensais à ça puis je me disais, c'est incroyable comme ce qu'on vit. Oui. Puis ça m'a rappelé. Avec le talent que j'ai, je devrais. Je mérite pas ça. Je devrais travailler au Subway puis me faire crier après parce que je mets jamais la bonne sauce. C'est compliqué, les sauces. Il y en a beaucoup. C'est toi qui mélange tout le temps. T'es comme un peu de sud-ouest, un peu de maillot. Décroche. Bon. Moi, la dernière fois que je suis venue ici, c'était pour un show de rap. Puis j'étais toute seule. Puis j'étais gênée à parler au monde, puis là, j'étais assise sur le stage. J'étais genre là, en haut. En tout cas, bref, si vous êtes tout seul ce soir, I feel you. Dans 4 ans, vous allez être assis ici. Mais non, c'est, aujourd'hui, c'est ça. Je pensais à nous, puis j'étais comme, ah, c'est fucking cool ce qu'on va vivre ce soir, puis tout. Puis j'étais fière de nous autres, puis ça m'a rappelé quand j'étais une adolescente complètement mélancolique à Laval. Puis que j'écoutais mon Discman avec du Coldplay en loop, puis un peu de Carquois pour dire que j'écoute du québécois, right? Puis là, je me disais, oh, l'homme de ma vie en ce moment, là, il est à quelque part, puis je sais pas c'est qui, puis je sais pas il est où. Puis j'ai appris par après qu'à cet âge-là, toi, ce que tu faisais, c'est du H sur le top des stations-service. Qui est une incroyable activité. Après, couple ouvert, allez faire ça! Montez un SO et droguez-vous! C'est ça, hein? C'est ça que tu faisais à 16-17 ans. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu as déjà regardé les étoiles en disant « Ah, oh, je sais pas où, comme la femme de mes rêves? » Jamais. Oh. T'es pas un Swifties! Non. Moi, à 16 ans, je me disais « Faut que je me convainque d'aimer les hommes. Parce que je vais jamais convaincre une femme de coucher avec moi. C'est beaucoup plus facile me convaincre que je veux sucer les queues. » Que de convaincre une femme de me sucer. Et je sors avec un homosexuel de 40 ans. Dans le corps d'une femme très chaude, ce qui est le meilleur. C'est le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Mon amour. On prend-tu soin de souligner nos amis? Ah oui. On voulait juste faire un petit coucou cette semaine à nos amis, les Picbois. Est-ce qu'on peut leur donner une grosse main d'applaudissement? Ouais, on les aime vraiment beaucoup, puis ça a été une grosse semaine avec des grosses annonces pour eux. On leur souhaite vraiment le meilleur, puis on a tellement trippé avec eux dans plein de différentes occasions. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, ensemble, à go, on va dire, s'il vous plaît, les gars, on vous aime. On est d'accord avec ça? À go. En fait, 1, 2, 3, go, pour on fait ça, OK? 1, 2, 3, go. Les gars, on vous aime. Oh, yeah. C'est beau. C'est beau! Tu t'en viens vraiment, preacher? Tu y arrives, mon amour? Ça s'en vient? Là, bientôt, on va vous montrer, on va donner un liquide. Buvez-le. Si vous avez mal à votre enfant, donnez-le à votre enfant en premier. Et ensuite, écoutez-moi parler. Puis si t'as mal au ventre, c'est normal. Okay? C'est pas... Aussi, les petits coupons Mary Kay aux toilettes, s'il vous plaît, remplissez-les. Mon amour, on arrête de niaiser. On arrête de niaiser. On a un gros invité. On a un gros invité. On a vraiment hâte de vous le présenter. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillez comme il se doit. Martin Matt.
il est pas là. Je parlais avec un ami en arrière. Oui. Puis on m'a tapé sur l'épaule pendant que je jasais, puis on m'a dit, ils viennent d'être présents. Ça fait quoi faire une petite salle? C'est le fun. Ça fait intime. Je me sens comme chez nous, là, dans Montréal. Très heureux d'être ici. Merci d'être là, Martin. Ça fait plaisir. On a, toi et moi, on a les mêmes racines. On vient de Laval. Oh. Oui. Ça part. T'es pas, oh! T'es pas fier de ça. Viens d'où à Laval? Ah, je viens du Mont. Hein? Toi aussi, hein? Bon, là, c'est un peu plus excitant, j'avoue. Non, mais je de Auteuil, Vimont, Auteuil. Mon père avait sa vitrerie à Vimont. Ben, Vimont, carrément Vimont. Ouais. Puis, je sais, là, t'étais vraiment à Laval, Laval. Non, mais c'est parce que j'ai même précisément, quand t'es allé au podcast de Thomas, t'as même parlé du crotto sur Des Laurentides. J'achetais mes bas, là. J'aimerais vraiment. J'aimerais tellement savoir ce que j'ai dit sur le crotto de Laval. J'ai tellement pas d'intérêt. Mais c'est correct. Qui est aujourd'hui l'aubainerie pour ceux qui savent pas. Absolument, hein. Exact. Ouais. J'ai parlé de ça. Pas vraiment changé. L'aubainerie crotto, c'est pas mal. Je me suis longtemps habillé à l'aubainerie. C'est vrai. Quand tu tombais en amour avec moi, je portais de l'aubainerie. OK, mais super, mon amour. Ouais, tu fais? Toi, tu portes souvent de l'aubainerie aussi? C'est plus rare. C'est plus rare. Moi, ce que je paye à rabais, c'est l'épicerie. Ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, mais oui. Mais ça, il faut en parler. OK. Il faut vraiment en parler. J'ai un message que, s'il te plaît, tu peux envoyer aux gens chez Maxi. C'est s'il te plaît, juste... Ils peuvent-tu de temps en temps laver le plancher? Ils peuvent-tu de temps en temps? Ça, c'est commentaire de quelqu'un qui y va pas. Tu y vas-tu? Ben non, oui. Esti, on est chez Provigo à chaque semaine. On a resté à côté de chez nous. Tu vois, je savais, c'est des menteurs. Non, c'est vrai. Je suis pas. Ben oui. Hey, pour vrai, quand ils m'ont offert le contrat, je peux bien te dire, j'ai jamais dit ça. Oui. Mais j'ai dit non. Parce que non, mais pour vrai, je trouvais que ça fitait pas avec moi, puis j'ai fait, écoute, moi je joue condamné à l'excellence, puis j'ai fait non. Hein. Et là, ils ont beaucoup insisté, puis ils ont dit, viens nous rencontrer, je suis allé rencontrer, puis ils ont un concept de pub, c'était vraiment drôle, j'avais carte blanche, j'avais du fun avec l'équipe. Ils m'ont dit, tu prends le réalisateur que tu veux, les auteurs, je dis, ben t'écris ce que tu veux. Fait que là, ils m'ont dit, es-tu déjà allé au Maxi? J'ai dit non. Et là, c'était vrai, je n'étais jamais allé. Oui. Fait que là, je me suis mis à y aller, puis c'est vrai qu'il y en a que je trouvais que c'était comme ouf. Là, j'ai pris des photos de ceux que je trouvais pas propres, tout ça. T'es-tu sérieux? Je les ai re-rencontrés, j'étais arrivé avec mes photos, puis là, le boss, il a fait, t'as raison, c'est vrai. Et là, ils m'ont rappelé un moment donné, ils m'ont dit, écoute, on a acheté 113 zambonis, on va nettoyer des petites zambonis. Non! Je te jure. On veut. Upgrader, on va repeindre, on va monter ça d'une coche. Pourquoi c'est pas ça la pub? De fil en aiguille. Pourquoi c'est pas ça la pub? La pub, ça devrait être ce meeting-là. C'est toi qui offres force des Ontariens à laver leur plancher. Pis... C'est pas pire. C'est pas pire. Ouais. Quand même. Ah ouais. C'est pas moi qui l'a fait. En français! Mais plancher! Pas floor, plancher! Okay. Mais c'est ça. Fait que là, ça fait déjà. Ça doit faire 7 ans. Ouais. Déjà. J'ai vraiment du fun. Tant que j'ai du fun, moi. Puis c'est avec Jean-François Chagnon, le réalisateur, Turpin qui fait la oui, photo. Oui, Turpin qui fait la photo, c'est génial. De Xavier Dolan. Ben oui. On est une équipe. Je vais tourner ça comme quand on va tourner Beau Malaise. On a du fun, on est une belle équipe. On combien de temps, une pub, combien de temps de tournage? Combien de jours? Une journée de 12 heures à peu près. C'est tout? Oui. Oh, wow. 30 secondes, quand même. Oui, quand même. Quand même. Paresseux, 12 heures, 30 quand secondes. Paresseux. Moi, je comprends. Mais c'est. C'est vraiment, quand je dis carte blanche, ça fait cliché, mais c'est fou, là. Les idées de fou. À un moment donné, on a fait comme une pub de parfum. J'étais dans l'eau, je sortais avec un poisson. C'est vraiment, on fly le plus qu'on peut, puis on le fait, donc on a bien du fun. C'est très cool d'avoir le privilège de choisir les gens avec qui on travaille, avec le temps, avec qui on s'entoure. Vraiment le fun. C'est méchant, ça. Ah! C'est vraiment...
Pourquoi? T'as hâte, hein? Il faut commencer à quelque part. Ben oui, gars, là. Tu peux faire mieux, ça, c'est sûr. Tu peux faire mieux. Mais Martin, ouais, je veux nous recatapulter à Laval. Oui. Il était sorti, il était bien, là. Ouais. Non, je sais, mais... ça reste en moi, c'est très fort. Vas-y. Est-ce que t'as déjà sorti clubé à Laval? Ben oui. Oh, où? Où? Ben, au début... Écoute, là, c'est loin, là. Ça s'appelait... Le vieux Saint-Vincent. Oui. T'as connu ça? Ben, à Saint-Vincent-de-Paul. Je connais de réputation. C'était vraiment fort. C'était une vieille maison, 3 étages, et c'était... The place. Fort. C'était fort. La place. J'allais au collège Laval, moi, qui était juste à côté. Ouais. C'était... C'était-tu à Saint-Vincent-de-Paul? En tout cas, dans ce coin-là. Et c'était... Ouais, ouais, c'était la grosse, grosse place à aller. C'était the place to be. Dans le temps qu'on pouvait fumer en dedans. Oui, ben oui, ça fumait au bout. J'ai 50 ans, moi, fait que ça fumait. Y avait-tu des cages? Des cages. Non, des ça, cages où tu danses. C'est au Fuzzy, c'est pas la bonne place. C'est pas la bonne place. T'es-tu allé au Fuzzy de Laval? Fuzzy, je suis déjà allé, ouais. Je t'as-tu dansé dans les cages? Oui, c'est cage. Au Fuzzy. Si moi, je suis dansé dans les cages, c'était plutôt rare. souvent, je faisais d'autres choses. Mais pas, ouais. Mais j'ai, oui, on est sortis beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai vraiment été sur le party fort. C'est vrai, hein? Ah, cool! Ouais, 16-17 ans, puis ça a duré comme 20-30 Mais ouais, le vieux Saint-Vincent, y a-tu d'autres... T'as quoi tes trucs pour... Y a une fille qui t'intéresse, puis t'as envie que ça se passe. C'est quoi tes trucs pour aborder? Pas vraiment de trucs, le charisme. Être ici ce soir, un regard. Mais pas, honnêtement, je niaise, mais pour vrai, pas tant de trucs. C'est vraiment une grosse gang de gars, on tripait, on fêtait, puis quand ça arrivait, puis ouais. Sans trucs et méthodes précises. T'es un grand danseur? Ben, j'aime danser à cette époque-là pour le party. Oui, oui, on pour les filles, fort. Disons, là, tu danses, puis quand il y a des filles, quand il n'y a pas de filles. Comment? Tu danses pour les filles, sinon. Tu parles aujourd'hui ou à l'époque? C'est ça, je sens au moins d'un bord, là. Mais à l'époque, oui, c'était fort. On sortait, il y avait des planchers de danse, puis on tripait. Il n'y avait pas de cellulaire, fait que tu te laisses plus aller, j'imagine. Il n'y avait pas de cellulaire, on avait du fun, puis ouais, ouais. Est-ce qu'à l'époque, tu avais des cheveux? Comment? Il n'est pas obligé d'être là, il peut partir n'importe quand. Hein? Quelques minutes pour cette question. Des fois, je mets des photos de quand j'ai, mettons, 26, 27 ans, j'étais à l'école de l'humour, puis là, les gens m'écrivent tout le temps. « Ah! T'avais des cheveux comme si j'étais né chauve! » Et ça avait jamais changé. Les gens chauves, le plus jeune, ils ont eu des cheveux. Là, oui, c'est souvent ça. Mais c'est que ma question, c'est une question intéressée. Ou parce à quel que... âge t'es arrivé? Non, c'est moi qui coupe les cheveux à Tom. OK. Puis là, je me demande tout le temps, c'est quand qu'on atteint le breaking point de « on rase à zéro », tu sais. Ah, ça, c'est une bonne question. Penche donc par en avant. Honnêtement, ça fait 2 ans. Dans 2 mois. Ouais. Quand faut il reste la couronne, là. Non, faut j'abandonne. C'est ça. Mais moi, ça a été dans début trentaine, là. J'ai commencé à... Non, peut-être pas début. Ouais, en mi-trentaine. Fait que pas mal, exactement. Quel âge as-tu? La mi-trentaine, pas mal de temps. 33. C'est ça. Ben oui, c'est rendu. Faut que je pose la question. Mais t'es-tu bien que ça? Très mal. T'es mal? Extrêmement mal. Extrêmement mal. Toi, mais ça veut dire que t'as beaucoup de testostérone. Je sais pas. Oui, oui. Parce que je me connais, puis non. Non? Non. J'ai beaucoup d'affaires, j'ai pas beaucoup de testostérone. Je dirais pas ça de moi. Non, pas tant? Non. Pas tant de libido? Non. Ah, non? Je sais pas, non. J'ai d'autres, non. C'est un grand sensible. Ouais. Ouais, ben oui, c'est sûr que t'as d'autres qualités, tu lis. J'imagine. J'ai de l'équilibre. Ça m'a jamais. Ça m'a affecté, moi, genre. Je niaise même pas, là. Genre, une semaine ou deux que j'ai fait, hey, je vais être, tu sais, mettons, mi-30, je vais être comme ça toute ma vie, puis ça finit. Mon père était chauve, puis. Moi, j'ai envie d'en parler à personne, puis de me faire une greffe. Te faire greffe. Ouais, mais ouais. Long. Oui, mais... Ouais. J'en parle à personne, arriver à la maison, c'est mon amour, ta journée. Ma journée, tranquille. Ouais, mais ta greffe, t'arriveras pas les cheveux ici, là. Non? Non. Comment ça? Ça commence tranquillement. Hein? Ouais, ouais, c'est des petits... Parce que tu t'es déjà renseigné? Ben oui, moi, j'ai... pas je me suis renseigné. Je l'ai fait. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. OK. Fait, puis tu vois, ça fait 7 ans, là, je suis déçu. Tu l'as fait? Oui! Non, je viens de dire que je m'en crisse puis j'étais heureux de même. Mais bon, non,
Je pense que la beauté... Ben, si quelqu'un est mal, puis que ça fait qu'il devient mieux puis plus sécure dans sa peau, c'est parfait. Mais moi, je suis bien. Je serais jamais sécure. Ça m'a jamais... Fais-les pas. Achète-toi une casquette. Ben, c'est vrai. C'est 30 tranquille. Piastres. À quel moment... Est-ce que tu te rappelles quand tu t'avais percé l'oreille? Oh! Oui! Ben oui! C'était au cégep, j'allais à Bois-de-Boulogne, je devais avoir 18 ans. Et à l'époque, c'était quelque chose. Là. J'imagine. Ouais, c'était ça. Quelque chose. Puis mon père était très... dans ce temps-là, mes parents sont séparés. Moi, j'avais comme 15 ans, 16 ans. Puis là, j'habitais avec mon père. Mon frère a eu son gros accident. Donc, j'étais tout seul avec mon père. Je me suis fait percer l'oreille. Et je savais que ça allait être pour lui... La fin du monde. Ça t'a-tu encouragé de faire passer l'oreille? Sûrement. OK, génial. OK, je comprends. Oh oui, on a... Mais j'avais le goût, puis c'était... Je sais pas, les filles trouvaient ça beau à l'époque, quand j'étais au cégep, il y avait une... Oh, ouais. Oui. Puis, je me rappelle d'être revenu chez nous, j'étais allé dans ma chambre, là, j'ai entendu mon père arriver, puis j'ai fermé ma porte de chambre, et je me rappelle, pour vrai, là, j'ai dit... C'était un petit bungalow, il s'en venait dans le corridor, puis tu sais, c'était comme bizarre que je... Tu t'enfermes porte fermée. Ouais. Fait que là, j'ai dit, père, il a fait, ouais. J'ai dit, je t'aime comme t'es, là, peu importe ce que tu fais à ton corps. Et là, il a dit, qu'est-ce que tu dis là, là? Mon père, un gars très sensible. J'ai dit, je t'aime comme t'es, peu importe ce que tu fais à ton corps, je t'aime. Là, il a dit, rouvre ta porte, niaiseux, là. Et là, j'ai ouvert ma porte, et là, il a vu ça. C'est pas une blague, il a titubé. Il a titubé de reculons, comme si là, il avait vu. Et là, il s'est mis les mains sur la tête, puis il a dit, mon Dieu, où j'ai manqué. Ah! Et il s'est accoté les deux mains sur la table de cuisine, puis là, il capotait, puis il a appelé ma mère, puis là, il a dit, ton gars... Ouais, je peux qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans ton look? Parce que mon père, c'est un gars de construction. Puis et là, il a dit à ma mère, ton gars, ben ça a l'air, c'est une tapette. Il y avait toujours les termes. Juste un gars progressiste et ouvert. Puis là, je me rappelle, il m'a dit... Puis moi, je travaillais pour lui, puis il m'a dit, tu rentres pas à la vitrerie de même avec ça. Puis là, j'avais dit, ben il faut que je le garde 3 semaines, ça peut s'infecter. Puis il a fait... Et là, tu voyais qu'il voulait... parce que j'étais comme un employé qui travaillait fort puis il était content. Là, il était comme mêlé en disant « Soit tu rentres pas 3 semaines. » Puis là, il a accepté. Finalement, ça a passé. Ouais. Mais ça a été une grosse épreuve dans sa vie. Tu n'étais pas homosexuel? Comment? Tu as pris combien de temps qu'il réalise? Il a réalisé sur le coup. C'est parce que lui, il s'est dit... Attends un peu, là, sa psychologie, c'est « Je vais dire ça. » Ça va l'insulter, fait qu'il va l'enlever. Fait que là, il dit « Les gens vont... » Parce qu'après, il me disait ça. Oui, « Les gens vont penser que t'es une tapette. » Je dis « Ouais, puis c'est ça, ouais. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Puis je l'ai gardé jusqu'à quand même... Tard. 30 ans. Un peu, quelques années de trop. À kilométrage, tu l'avais. Kilométrage, je devais avoir ça, 27-28. Kilométrage. Ouais. Oui. Ça t'allait bien, mais ça t'allait bien. Ben oui. Moi, c'était ça, moi, je me rappelle, j'avais 11 ans, je disais, il y a un swinger à TV, c'est le fun. Quoi? Un swinger, comme, c'est correct, il y a ça à plusieurs, c'est correct, pas de problème. Puis où est-ce que tu te l'es fait faire? Parce que moi, j'ai juste l'image de toi assis dans le très petit Ardennes du Carrefour Laval, entouré de jeunes filles de 10 ans qui volent des barrettes, puis toi, t'es juste comme, juste ici, s'il vous plaît. C'est pour faire chier mon père, comme les autres filles, dans le fond. Comme les autres filles qui se font percer, c'est le même processus. Ah, les filles, nos pères, hein, sont niaiseux. Non, il y avait quand même quelques gars, là, qu'il y en avait, mais... écoute, je me rappelle pas où je suis allé. OK. Je me rappelle pas. Mais je me rappelle, j'avais une blonde au cégep, parce que moi, j'ai une blonde depuis que j'ai 13-14 ans, puis on a eu des hauts et des pauses. Oui. Et ça, c'était une pause, j'avais une fille, qui, puis elle trouvait ça super beau. T'as fait ça pour une femme? Ben pas pour une femme, mais je me rappelle que c'est elle qui m'avait trouvé une place, mais c'est flou, là. Ah, oh, cool. J'avais 18, là, fait que je me rappelle pas. Mais je vais vous revenir, c'est sûr. OK, parfait. Tu souviens-tu de ta première brosse? Ma première brosse? Oui. Je me rappelle de ma première bière. On avait volé une bière à mon père, c'était une 50, au chalet. Puis on s'était sauvés dans l'entrée, mon frère et moi, puis on l'avait calé. J'avais pris la moitié, mon frère la moitié, je me rappelle. J'avais dit à mon frère, oh, ça fait bizarre, hein. Et j'avais vomi. J'avais 12 ans. Ouais.
Puis après ça, c'est plus à 15 ans, il y avait un bar qui s'appelait le Scorpion à Laval. Ça, ça n'a pas duré longtemps. La moyenne d'âge, j'avais 15-16 ans dans ce bar-là. Puis on prenait des pichets et ça, c'est mes premières brosses. Ouais. Puis au Montagnard, c'est un bar où j'avais un chalet. Dans le même temps, 15-16 ans, on avait une fausse carte, on rentrait là. T'avais une fausse carte? Ben oui. Comment tu l'avais faite? Je l'avais faite avec... Hey boy, c'est parce que là, les gens sont trop jeunes, ils ne sauront pas c'est quoi. C'était vraiment des cartons avec des petits stencils de lettres okay, que tu oui. pouvais coller. Ben oui, mais... Et là, tu mettais une photo que tu collais. Non, mais c'était cheap, là. Ben oui. Ça, les... Puis les doormen... écoute, puis tu répondais une niaiserie. Est-ce que tu avais mis ton vrai nom ou un faux nom? Mon vrai nom. OK. Ouais. C'est vrai qu'il est quand même court et efficace. Plus tard, là, je prenais... mon frère avait un an de plus que moi, donc à 17 ans, je prenais ses cartes à lui. Okay. Moi, j'avais un ami qui avait une fausse carte, puis c'était tellement drôle. Une fois, moi, il clubait. Puis il essaie de le pogner, puis il fait ouais, c'est quoi ton signe? Puis il fait Lion. Là, lui, il fait. Je connais pas les signes. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Mon premier show Histoire vraie, je raconte ça là, quand je passe avec le Dormer avec ma fausse carte. Ouais. Nice. Fait que c'est le show de 1999. Ouais, il est sur YouTube! Vous pouvez voir, il est sur YouTube! Ou t'as ta boucle d'oreille et des pantalons de cuir. Pantalons de cuir, ça aussi, ouais. Quelques années de trop. Qu'est-ce que tu veux? Ça te fait sentir? Comment? Sans, le pénis? Non. Le pénis? Non? Oui, non. Ça sent pas? Non, pas les petits gars propres, ça sent pas. C'est vrai? Si t'as une bonne hygiène, ça sent pas, Thomas. T'as-tu compris? 52 ans, c'est la première fois que quelqu'un me dit « Mais ton pénis, il devait puer dans tes pantalons. » Non, non, il sentait bon. Toutes mes interactions avec toi sont terribles. Oui. Moi, je répondrais jamais au téléphone. Tu fais de ton mieux, puis c'est parfait. C'est parfait. OK, on en parle, fuck it. On peut-tu parler de la dernière fois qu'on s'est vu? Ben c'est ça, déjà tu cries oui. pas. Oui. Oui t'es déjà un pas de plus que la dernière fois que je l'ai vu. Mais tu t'en souviens plus que moi, là. C'était aux Oliviers? Oui, on avait perdu, j'ai pas pris. Oui, mal pris ça. Moi, j'accepte mal la défaite. Ah, puis oui. La victoire. Mais on perd pas. Ils donnent des trophées pour des œuvres. On c'est s'en vrai. Fout. C'est pas, t'es pas moins bon parce que tu l'as pas. Tu aurais dû me dire ça ce soir-là. Ben, c'est pas ça que j'ai. Ouais. C'est facile à dire pour moi. C'est facile à dire pour moi parce que j'ai jamais perdu. Mais c'est ça pareil. Si ça m'arrive, je vais me dire ça. Mais en fait, je criais. T'es accompagné oui. d'une femme à qui tu partages ta vie. Et oui. C'est une actrice. Et j'ai décidé que j'allais y exprimer. Ton ouais. amour? Oui. Subtil. T'es vraiment belle! Non, mais c'est malade! Ah, parce que... Il était tard. Ah oui. Il était pas si tard que ça. Je peux pas comprendre le métro, là. C'était pas si tard que ça. Et je m'y exprimer à quel point j'aime son jeu. Oui. J'ai crié pendant au moins 10 minutes oui. que c'est une bonne actrice. Ah oui, tu et après les 3 premières minutes, elle a fait « J'ai compris ». Oui. J'ai fait « Je suis pas sûr ». Puis j'ai continué. Ouais. Mais vraiment patiente. J'imagine. C'est moi qui ai dit « Je pense qu'on oui. le sait. Hein, » on va changer de table, il est pas bien. Mais après, il m'a dit genre, ah, oh, tu sais, je pense que j'ai été too much mais... avec elle. Puis là, j'ai dit, t'as dit juste du positif. Ah oh, oui, c'est vrai. Mais elle n'a pas été affectée. Alors, j'en doute pas, non, je pense pas. J'en elle a trouvé ça plus drôle que d'autres oui. choses. Oui. Et j'ai appris dans le coulisse que j'ai mené là où elle a décroché, parce qu'elle écoutait. Non, mais elle écoutait. Oh oui, Gossou. Oh, tellement gentil. Mené, j'ai dit, t'es très drôle. En plus, elle dit, t'es ouais, bonne, non. Tu joues bien, t'es drôle. Elle fait pas vraiment, hein. C'est hilarant, non, comme réponse? C'est bien. Non, OK. C'est parfait. Donc, oui. J'y présente mes excuses, je te présente mes excuses. Non. Et la prochaine fois, je vais... Juste la tête. Juste... Si je suis ici, c'est que ça m'a pas tant affecté. Comprends. Mon père, il a fait la même chose, en plus. Ouais. Ben oui, c'est de famille. Non, c'était très gentil. Ton père est venu me remercier. Parce que son père habite pas très loin. Fait qu'il est venu dans la ruelle me dire merci d'aider la carrière de son fils. Est-ce qu'il écoute tes podcasts? Non, mais jamais. Ah ouais, hein? Il n'y a aucune... Non. OK. Il fait... Non. Fait quand il me klaxonne, il fait merci pour aider la carrière de toi. Mon fils. Ouais, non, bon, mais c'était correct. Il klaxonne après toi? Gentiment. Comme c'était une fille de... Ah, quoi? Non, mais il m'a dit... Comme, parce que les filles, c'est correct, mais pas Martin Matt. Il m'a sifflé.
Il a sifflé. Il m'a sifflé. Il a sifflé après. Il m'a sifflé, il a baissé sa vitre puis il a dit « T'as un beau petit cul, viens t'asseoir dans mon char. » Pour vrai. J'étais mal, je suis allé. Non, non, il m'a dit « Merci d'encourager la carrière de mon fils. » Et là, il dit « Ben, c'est qui, mon fils? » C'est vrai! Et c'est pas il a dit, c'est Thomas Levesque. J'ai dit « C'est qui, Thomas? » Non, non, ça va, là, j'ai... Il m'a c'est dit, normal. Vous avez fait son podcast, ça l'aide, ça l'encourage, merci, c'était très sympathique. Ah, puis, génial. Il est parti. Quand je le vois à cette heure, je me trouve bien poliment. C'est comment il t'appelle? Il m'appelle ton chum Matt. Oh! Puis je fais, ouais, on n'est pas... Il va quoi? Fort, il va fort. Ouais. Ouais, imagine, ouais. Ça fait deux fois juillet, ça va être comme... Ouais, si jamais arrêté ton, compte, ton frère! Oui, ton frère! Ah oui, quand on va le voir à Noël, ça va être incroyable! Oui, quand on a déménagé, il était pas là pour déplacer le frigidaire. Ça va être pas. Martin, t'as dit que tu t'es fait une première blonde à l'âge de 13 ans. Mmh. Oui. Comment t'es tombé en amour à l'âge de 13 ans? Ben, c'était pas... J'ai eu des petites blondes avant, mais ma blonde officielle que j'ai été de, mettons, 13 à 47... Ce qui est quand même une bonne période de vie. Sacrifice! Ouais. C'est vrai? Oui. Ben, oh, wow. Comme je te dis, on a eu des pauses, cégep, université. Je comprends pas demain. Puis, moi, j'allais au Collège Laval, c'est un collège de gars. Elle allait à Regina Sumta, qui est un collège de filles. Ben on faisait des parties. Et moi, j'avais la chance d'aller dans l'année plus vieux que moi, parce que mon frère et moi, on est tout le temps ensemble. Donc, j'allais, et c'était hot, fille un an plus vieux. Wow! Avoir reçu. À l'époque, je ne savais pas. Là, je me suis repris de l'autre bord. Non, mais on était... Ouais, bonne, elle va encore lisse. Je la trouvais belle, puis on était follement amoureux, puis on a eu deux enfants, puis on était 32 ans ensemble. Ça va durer 32, mon amour. 32. Ça va durer 32. God. On ne sait pas. C'est pas tout le monde comme moi, là. Thomas, là, il est... C'est... Non, mais oui, non, c'est fax. Tout simplement. C'est pas des petits parties de collège à collège, puis on faisait des danses, on dansait. Wow! Voilà. Puis on est tombé en amour. Vous dansez des slows dans oui, le temps? Oui, madame. Oh my God! C'était quoi votre toune, mettons, au secondaire? Je sais pas. 1987, là, c'était quoi cette toune? Oh my God, je suis née en 87. Ah! Oui. Eh oui. C'est ça. OK. Quoi? Pourquoi tu fais juste rappeler qu'il va mourir? Ah oui, c'est ça. J'ai dit qu'il était chauve, qu'il est vieux. Bon. Moi, je suis bien. 1970, à l'aise avec mon âge et ma calvitie. Très bien. Épanoui et heureux. Yeah! Ouais. T'as fait le premier special Netflix québécois francophone? Oui! Yeah! Wouh! Ouais. Comment s'est passé le processus de ça? C'était quand même... comment je dirais ça? C'est vraiment laborieux, Netflix. J'avais déjà négocié avec eux autres une grosse affaire. J'ai vendu les beaux malaises pour le monde entier. Là, fait que ça a été la première... et ils nous avaient approchés, puis on a vendu ça sans jamais les rencontrer. Ce qui est quand même spectaculaire. Là. Ça n'arrive pas, ça, ici. Mm-hmm. Fait que là, ils envoient des courriels, comme quoi ils ont vu le show... En anglais, ils t'écrivent, qu'ils ont aimé ça, qu'ils sont intéressés, ils font une offre. Tu te demandes si c'est sérieux, si c'est vrai, plus ou moins intéressante. Tu dis que ça ne nous intéresse pas, t'offres. Tu dis nous autres ce qu'on voudrait. Ils reviennent, ils disent oui. Tabarnak, on aurait dû demander plus. Et là, mon gérant dit ça marche. Et là, ils sont à LA. À un moment donné, il y a un Zoom avec eux autres. Ils sont 16, on est deux. Tu jases. Il donne les conditions, tout ça, puis de courriel en courriel, de semaine en semaine. À un moment donné, mon gérant me dit « C'est fait, on l'a vendu. » « On l'a vendu, c'est-tu fait? » C'est « Oui, oui. » C'est des signatures par courriel électronique. Jusqu'à un moment donné que tu fais « C'est vendu. » C'est vrai. « T'es là. Bien payé. » »« C'est fait, ça va être diffusé. » Donc, c'est très bizarre. Puis le show, la même chose, ils m'ont approché. Puis ici, en général, ben là, ça change beaucoup là, avec les années. Tu peux mettre ton show sur YouTube, tu peux le mettre... Mais il n'y a pas si longtemps, c'était... T'sais, Radio-Can, TVA mm-hmm. ou V à l'époque, c'était ça. Il t'offre un montant, tu le captes, tout ça. Et là, Netflix est arrivé là-dedans et ça a été la même chose. On s'est mis à négocier, tout ça. Mais les conditions de tournage sont les mêmes pour moi que pour n'importe quelle vedette du monde entier. Donc, Dave Chappelle, Kevin Hart, c'est... Même chose. Mm-hmm. Le même contrat, pour vrai. Tu ressembles plus à Kevin Hart qu'à Thomas Levesque. Ils sont mieux payés, mais... Non, mais t'as pas idée à quel point c'est laborieux. Oui, ça m'intéresse. Le tournage, les caméras que ça prend, la régie que ça prend, mm-hmm. ça coûte une fortune.
c'est là-bas. Et t'as pas le droit de faire de pub. Ça, c'est bizarre. Tu sais, nous autres, quand tu sors ton show à TVA, mettons, tu peux mettre des panneaux, tu peux l'annoncer, tu peux... Eux, t'as le droit de faire un 30 secondes sur tourner avec ton iPhone. OK. Tant de jours, je pense que c'est 18 jours avant qu'ils sortent. Point final. Sur tes réseaux sociaux, genre. Okay, est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas. Mais je pense que les vedettes de qui ils capent les spéciaux, c'est tellement des grosses stars que juste ça... C'est suffisant. C'est assez. T'sais. Mais nous autres, au Québec, ça reste correct. Mm-hmm. Ça a été super bien vu, puis ils sont contents. Pis... Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions. Puis quand on l'a monté, t'envoies le montage, puis là, ils vont te dire, mettons, à, je sais pas moi, 56 minutes, 30 secondes, dans le haut de l'écran à droite, il y a un pixel plus pâle. Et là, on est trois, moi, le réalisateur, c'était Jean-François Blais, bon, le producteur, on trouve, là, on fait « Ah oui, c'est vrai! » Alors, faut que tu t'ajustes le pixel. Ou il y a un sous-titre qui est proche du genou, donc ils lisent mal la lettre, donc de décaler le sous-titre d'une demi-seconde. Ça, je te dis, t'en as 20 pages comme ça. Là. Wow! Hein? Fait que des versions, on a envoyé, je me rappelle plus, mais peut-être 10... avec ces détails-là. Donc, ça a été spectaculaire. En même temps, ce qui est le fun, c'est que tu as du monde partout dans le monde qui le voit. T'sais, c'est très surprenant de quelqu'un du Chili ou de la Suisse qui t'écrit. Ou quand tu es en voyage puis tu dis, tu fais quoi? Tu es humoriste, j'ai un show sur Netflix. Tu le revois deux jours après puis fais, j'ai écouté ça. Donc, il y a de quoi de très... contrairement à, mettons, qu'il passe à TVA, t'as beaucoup, beaucoup de gens qui le voient, ils t'en parlent beaucoup les semaines qui suivent. Mm-hmm. Là, c'est comme depuis des années, tu reçois 10-12 messages par semaine, « Wow, j'ai aimé ton show, j'ai vu ça », fait qu'il y a quelque chose de très puissant dans la plateforme. T'es-tu à l'aise de dire combien ils t'ont payé pour ta captation? Oh non. Claire, ben oui. Bon essai, mon amour, oui. Bon essai. Bon essai. Ben oui. Ben oui. J'aurais pu dire, ben oui. Au moins, je l'ai pas klaxonné. Ou... Tu l'as bien demandé. Hey, on s'essaye, hein? Mais ton special commence avec... T'es en coulisses, t'es très stressé, t'es nerveux, tu vomis dans la toilette et tout ça. T'étais-tu réellement stressé ou t'es-tu encore stressé quand tu sors des projets? Oui. Oui? Énormément. Okay. Mmh. Énormément. C'est un combat de vie, ça. Moi, quand je sors de quoi, je sais que ça, les gens y croient, mais j'écris un numéro puis je suis ultra nerveux de le faire. Tu sais, les beaux malaises, je suis revenu avec 2.0, je parlais de ma séparation. Écoute, je me disais, si je l'ai déjà fait, ça marchera pas. J'étais vraiment stressé, mais c'est une espèce de combat quand même. C'est super stressé puis insécure, mais un autre côté que je suis content puis fier de ce que j'ai fait, qui est assez fort pour le faire pareil. Mm-hmm. Mais oui, je suis ultra nerveux. Puis finalement, jusqu'à date, ça va bien. Ça, tu sais, les beaux moments, ça a bien marché. Quand je fais des numéros, ça va généralement bien. Mais je passe par une espèce de stress. À chaque fois que j'écris de quoi, je suis comme content. Je trouve ça bon, je trouve ça drôle. Puis là, je le relis, puis je fais... tout le temps. Fait que c'est un combat de vie. Je sais que je suis comme ça. Puis ça ne s'améliore pas en vieillissant. Malheureusement. Tu fais beaucoup de l'autofiction. Quand tu parles à ta famille... Oui. Est-ce que tu leur en parles avant ou ils découvrent en même temps que nous autres? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que je fais de l'autofiction qui, évidemment, c'est souvent exagéré, inventé, mais souvent très vrai. Mm-hmm. Pendant des années, je n'ai jamais parlé parce que c'est jamais méchant. C'est jamais... Tu humilies personne. Animé par une haine ou une vengeance quelconque. C'est pour être drôle puis tout ça. Non, c'est ça que je vois, c'est ça que je fais pas. C'est le bout de la vengeance. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est même pas une blague. Parce c'est vrai que des fois, tu peux vouloir régler des comptes. Moi, c'est juste pour être mieux. Pour mon frère a un accident, j'en parle parce que j'en étouffe tellement ça me fait mal. Puis j'en ris, les gens en rient. Donc ça me fait du bien. Mon père est mort. J'écris de quoi tous mes malheurs. Je fais des affaires drôles avec ça. Mais les beaux malaises, je me rappelle quand j'ai écrit un épisode sur mon frère. Il est physiquement... plutôt correct, mais il y a un traumatisme crânien, donc il réussit pas à avoir des rencontres et des relations sexuelles. Donc, on a fait des démarches pour trouver une escorte quand mon père est décédé, parce que pour mon père, c'était impensable, c'était illégal. Le gars qui n'a pas les boucles d'oreilles, il voulait pas... Il voulait pas qu'on regarde. Je suis curieux. Tu l'as saisi. Non, c'est curieux. C'est curieux. Fait que là, on a fait ça, puis j'ai écrit un épisode là-dessus, puis ça, je l'ai fait lire à ma mère et ma sœur. Et ça a vraiment pas bien passé. Ah ouais? Vraiment pas bien. Ça s'est passé comment? Très, très mal. Mais qu'est-ce qu'on... Parce que ça a passé à la TV. Comment que tu as convaincu? Ils ont-tu crié? Je les ai pas convaincus. J'ai... Non, ben gars, ben quand j'écris... Pour moi, c'est... Ça me...
là, je veux, quand j'écris de quoi, il faut que ça me pogne les tripes. C'est vraiment quelque chose d'une, des souffrances. Je sais que c'est drôle qu'un humoriste dise ça, mais c'est des souffrances vraiment profondes. Bien que, sûr. Pouf! Là, je compte ça, puis je pensais que c'était... Je pense encore que c'était important pour moi de le faire, puis je pensais que c'était aussi important pour des gens qui ont des familles avec des personnes handicapées de voir qu'il y a des solutions à ça. Ma mère, elle l'a pas vu de même parce que c'était notre intimité. Mm-hmm. Elle a vu comment, ta mère? Elle a très, très, très mal vu. Très, très mal. Ça a fait un gros froid. Elle m'a écrit une lettre. Ça a été dur. Puis je respecte ça aussi, je comprends. Mm-hmm. Mais... Tu sais, quelqu'un est en tabarnak qui a écrit une lettre. Ouais. Non, mais en général, là... Je te le dis. Surtout à ton fils. Eh oui! As-tu malé une lettre? Attends, comment t'as reçu la lettre? Je m'en rappelle pas. OK. Mais je me rappelle de la lettre et... non, mais c'est délicat parce que je veux pas... Je comprends. Oh non, je comprends. Je sais qu'elle l'écoutera sûrement pas, mais quand même... Oui, je comprends sa peur, mm-hmm. puis c'est une honte aussi. Mm-hmm. Mais oui, puis c'est la vie sexuelle de son fils. C'est ça, fait qu'elle veut pas. Oui. Mais moi, j'ai jamais... Tout ce que j'ai écrit, je l'ai fait. T'sais, si quelqu'un me dit, il faudrait pas faire ça, si je veux le faire, je le fais. Je l'ai fait pareil, je l'ai écrit pareil. Puis quand les beaux malaises finissaient dans le temps sur Facebook, je recevais toujours un... 700-800 messages, que je lis pas toutes, mais c'était ça. Je voyais, oh boy, 700 nouveaux messages. Pis... Et quand cet épisode-là a passé, j'ai reçu 7000 messages. Wow. Parce que c'était, oh, t'sais, le nombre de familles qui m'ont dit merci de parler de ça. Mais je pense que ça t'sais, à petite échelle, là, ça a dû aider du monde. Mm-hmm. C'était... Puis je pense que quand ma mère, elle l'a lu, c'était pas en onde encore, les beaux malaises. Fait que c'est la première saison. Fait que c'était très épeurant pour elle. Tu sais, quand ça marche puis c'est en onde, c'est facile de dire. Mais quand on a présenté le texte à TVA, ils me disaient, ça passera pas. C'est pas ce texte. Plein d'épisodes. T'sais. Ils ont dit, on te fait confiance, si tu veux le faire, tu le fais, mais je pense que ça va te nuire puis ça passera pas. Puis on l'a fait, ça a passé. Fait que même chose pour ma mère. Je pense que quand elle l'a vu en onde, jouer par des super bons comédiens, Fabien Cloutier, ma mère... Ouais, tu as une démarche artistique, tu sais ce que tu fais, là, c'est pas garrocher. Ouais, c'est ça. Fait que là, je pense que là, ça a fait comme, OK, c'est noble, c'est correct, même si ça a graffiné. Fait que somme toute, ça a fini par bien passer. Mais de l'écriture à la diffusion, il y a comme presque un an. Pénible. Je comprends. Un Noël spécial. Oui, je comprends. C'était pas le plus beau Noël. Tes enfants, ils vivent bien avec le fait que tu parles d'eux dans la série? Tes Comment? Enfants? Mes enfants, ça se passe plutôt bien. Yeah. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Oui. Eux autres, ils me le mettent plus d'en face. Là, si, ma fille va me dire, mettons, je fais une scène qui est un peu inspirée. Là, mettons, les Beaux-Balaises 2.0, la séparation. T'sais, qu'elle chiale pour ses bagages. Puis là, je fais... Chris, je comprends que c'est dur pour vous autres. C'est pas ça que tu nous as dit, hein? Quand on dit quoi? Elle m'a dit, tu sais, quand on chialait plus le bagage, tu disais, ben oui, mais c'est ça maintenant. Mais c'est bon! Oui. Fait que non, mais It is what it is. Mais ils sont drôles, ils sont brillants, ils savent que c'est pas méchant, ils savent que c'est inspiré. Bien sûr. Donc, ils ont grandi avec ça, eux autres. Fait qu'ils sont comme, quand ils étaient petits, parce que dans le début des Beaux Malaises, ils étaient plus jeunes, et mes enfants, et les enfants dans la série, et je les insultais beaucoup. Je les méprisais, puis je les aimais pas, tu sais, la base. Puis, ils comprenaient pas, tu sais. Là, oh boy, là, ils ont plus comme 17 quand j'ai écrit la 2.0, donc c'était plus délicat, mais ça s'est super bien passé. Good. Ouais. Très cool. Ouais. Mon amour. Oui. Yeah. Ben, c'est terminé. Merci, tout le monde. Ah, oh, juste avant, excuse-moi. Mais non, je t'en prie, vas-y. Vas-y. T'as un moment de talent, t'as réussi ta carrière, tu continues ta carrière. Aurais-tu des conseils pour des jeunes artistes, des jeunes humoristes qui commencent? Non. M'a dit comment j'ai été payé pour Netflix à la place. Écoute! Non, mais... Je fais des blagues, mais pour vrai, je trouve toujours ça un peu embarrassant. Tu sais, c'est tellement croisé, travaille fort, fais tes affaires. Tu sais, c'est tellement ça. Tu sais. J'ai entendu en entrevue Georges Saint-Pierre. Il explique un truc génial. Je suis content qu'on parle de Georges. Oui! Deux chauves qui ont réussi dans oui. Il expliquait... Moi, c'est tough pour moi aller au gym. Parce que d'une partie de moi, c'est là où je suis le plus heureux, parce que j'adore m'entraîner. Puis les arts martiaux, c'est ma passion. Toi, ça, ou Georges? Georges. Okay. Moi aussi. Moi, j'adore les arts martiaux, mais les arts martiaux m'aiment pas. C'est ça, la différence. Non, vraiment pas. Fais-tu des arts martiaux?
Ben, parle de Georges. Moi, je m'entraîne pour me tenir en shape. C'est ça, parce que j'ai une théorie que ceux qui ont une relation difficile avec leur père, ils adorent les arts martiaux. Ceux qui quoi? Si tu as une mauvaise relation avec ton père, t'adores apprendre à donner des coups de poing. Mais je suis seul là-dedans, je comprends. Thomas, il dit qu'il s'entraîne, mais il fait genre 10 push-ups chaque fois qu'il est fâché. Ah! Bon, ben, ça, je suis fâché souvent. Ben, pas de cardio. Oui. Tu fais-tu du cardio, tu cours? Ben, je joue au basket. Avec des chômeurs de 20 ans. Mais c'est ah, ben, quand même. Mais okay. Fait du cardio spécial aussi. Comme l'autre jour, il fallait que j'aille remettre mon livre à la bibliothèque. Puis j'étais comme, ah, oh, fuck, tu sais, c'est aujourd'hui. Puis il a dit, moi y aller! Puis il est parti en courant avec le livre. La bibliothèque, l'autre bord de la rue, là. Faut le courir! Ben oui. Faut le courir! Il l'a fait. Couru! Je suis dans le salon, je le vois, il revient en courant. Puis c'est... Ça marche! T'en fort. Ça a ses côtés pratiques, j'avoue. Ouais. T'as pas à faire de commission. Fait qu'est-ce qu'il dit, Georges Saint-Pierre, là, au gym? Ben oui, Georges, on avait hâte! Vas-y. Non, okay. Qu'est-ce qu'il a dit, Georges? C'est juste moi que ça fait rire. Là. J'en reviens pas que je fais du matériel de Georges Saint-Pierre. Mais oui, on dirait qu'on est en train de lire genre un mème de Georges Saint-Pierre avec une quote inspirationnelle. Là, le vrai, c'est qu'il dit j'aille seul au gym. Parce que la fois que je vais au gym, il y a toujours des gars qui viennent me voir et qui disent des conseils. Puis je peux pas leur dire la vérité. Parce que le vrai conseil que j'ai envie de dire, c'est abandonne, t'as pas ce qu'il faut. Ah! Ce qui est vrai! Il dit, c'est vrai! Il dit, si t'avais ce qu'il faut, tu serais au UFC. Moi, à ton âge, j'avais une ceinture, pas toi. Ah, s'ils veulent aller dans le UFC. Il dit, t'as une job, ouais. T'as des coups de poing sur la tête. Arrête. Il dit, je peux pas. Il dit, ben non, tes rêves, lâche pas, mais sur ça, il la rend. Ça serait violent de dire ça à un humoriste, pareil. Mais la différence, ouais. La différence fondamentale, c'est un humoriste. Non, mais si j'ai déjà pensé ça. Oui, bien sûr! C'est oui, sûr! On l'a tous déjà pensé dans notre chat. Non, mais il y en a qui sont pas bons, y a comme dans n'importe quoi. Donc, tu sais, ils viennent te voir, puis, hey, t'as-tu des conseils? Crois-y, lâche pas! Ben, tu sais ça. Crois-y, ouais. J'ai déjà dit à un humoriste, t'as-tu des conseils? Puis j'ai dit, l'important dans la vie, c'est s'exprimer. Ouais. C'est vrai pareil? Ben oui, mon amour. Hey, t'as bien fait qu'on fasse une petite pause pour parler de ça, hein? Ouais. C'est vraiment le highlight. Faites-vous du montage? C'est une vraie question! Pas du tout? Lorsque nécessaire. Ah oui? Oui. Quand t'as un enfant qui dort pas... Tom, il blâme souvent l'enfant qui dort pas, là. Mais avant qu'il y ait un enfant qui dort pas, il fallait faire du montage aussi dans la vie. Ouais. Faisait des? Du montage aussi, des fois, okay. C'est non, non, mais c'est une vraie question. Ah oui, je comprends. En général, non? Ben, pour vrai, on essaie de se l'éviter. C'est bon. On essaie que ça reste le plus naturel possible. Okay. Mais si, après, l'invité nous dit, « Hey, finalement... » Ben non, moi, ça c'est jamais l'invité, c'est jamais l'invité le problème. Tu peux tout mettre. C'est plus l'invité. Moi, je vais appeler, je vais dire, c'est pour vous autres, mais Georges Saint-Pierre, c'était plate en tabarnak. Mais ça valait la peine. Ouais, oui, ça. On se rendra quelque part. On a un punch. On a un punch. Punch out. Parfait. On peut enchaîner. Vas-y, mon amour. Mesdames et messieurs, c'est le moment des dates. C'est le moment des dates. Présenté par Eros et compagnie. Si t'as envie de te masturber, si t'as envie de faire l'amour, si t'as envie de pimenter ta vie sexuelle, Eros et compagnie. Couple 15, t'as 15%. Et on va faire le segment des dates. Les gens nous écrivent des dates, c'est anonyme. On rit ensemble. Let's go. Et t'as un beau cadeau. Ça, c'est mon cadeau. Là, j'ouvre ça? Oui! C'est moi qui l'ai choisi, je suis content. C'est vrai? Oui, parce qu'on y a plusieurs affaires. T'as une carte. Ouais, oui, c'est une carte, vraiment. Est-ce que je lis? Ben non. Juste dis ben pourquoi, oui. Tu sais ce qu'on dit, Martin? Gros égo, gros Eros et compagnie, t'offre une pompe à pénis pour que tu ne sois pas juste ta tête qui n'entre plus dans le cadre de porte. Hey! Oui. Oh. Et t'as deux objets. Tu peux l'ouvrir. C'est plus drôle, c'est plus le fun si tu l'ouvres. Aussi, j'ai demandé une crème parce que tu utilises. Oui, parce que tu utilises. Il y a de quoi là-dedans aussi. Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu utilises tellement des pompes à pénis que t'as besoin de crème pour ton pénis parce que c'est rendu un problème. Mais une pompe à pénis. C'est une pompe à pénis. Et c'est-tu pour se masturber? Ou... Mais tu vas pouvoir la découvrir. Je pense que tu peux l'utiliser. Qu'est-ce qu'on dirait un kit d'allaitement? Mais honnêtement, si tu veux l'utiliser sur le mamelon, je pense que ça peut fonctionner. Ça doit. Veux-tu l'ouvrir? Ouvrir quoi de ça? À ça de l'assembler. Alors. Non? Je peux le faire. Faites-vous du montage?
correct. Ah ouais, mais si tu veux te retrouver avec des gros mamelons, là, comme des beaux biscuits, là. Ça a l'air... Mon Dieu, une chance pas en verre. Mais... mais là, je m'en sers pas là, là. Je serais pas à l'aise. T'as juste à nous appeler après, puis ça on fait du montage, Martin. Ça se peut que bientôt, j'arrête l'assemblage, là. Mais... Oh my God! Ah, ça, c'est juste de la crème. Ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est de la crème. Crème d'expansion pour hommes. La crème d'expansion. C'est pour quoi homme, de la crème d'expansion? Ça, d'après moi, là, c'est là qu'elle va, la bisoune, là. J'ai l'impression. Ça va être ça. Écoute, il doit avoir des instructions. Tu penses-tu que tu penses-tu qu'il est assez grand pour toi? Écoute, ça va être tête. Ah, non, ça rentrera pas. Mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Écoute, ça a l'air un rêve. Ouais, pour les gens à la maison, ça a l'air incroyable. J'ai aucune idée comment l'assembler. Ben, bon, je vais ouais. Je t'envoie une photo. Ouais. Ouvrez-le pas. Ouvrez-le pas sous, parce que c'est mêlant. En c'est fait, ça. On va demander au père à Thomas de faire un suivi la prochaine fois qu'il te prend. La pompe. Si, ouais. Si ton père me voit jouer avec ça dans la ruelle, c'est louche. On n'a pas voulu dire la première date. OK, écoute, c'est bon, hein? Hey, ça fait plaisir, merci Martin. Merci beaucoup, merci à Ross et compagnie. Mais sinon, tu sais, t'es un homme généreux. Tu es un itinérant, que tu peux le donner? T'es-tu prêt, Martin? Prêt pour... OK, je peux... Oui, non, ça, c'est... Es-tu prêt pour tester ton jouet? Non, mais oui, ça a l'air intéressant. On part. Il y a un titre. Ça s'appelle « Tinder... Peinture sur bâche. Bâche ou bâche? Bâche. Merci, parfait. Oui, parce qu'il y a des peintures, oui. Parfait. Et hôpital. Ah, pour ça, j'ai adoré le ton. Là, tu connais rien, bâche. J'ai adoré ça. Mets un public. Coucou, Steph, Tom et invité. Je suis une femme et je parle de ma date avec une autre femme. Tu es lesbienne? C'est une lesbienne. Pas long, toi, tu... Hein? Je l'aime pour sa vivacité d'esprit. En écrivant mon titre, je vois moi-même l'absurdité de la date que je m'apprête à écrire. Même après 6 ans, j'en reviens pas encore d'avoir eu la grande chance de vivre ça. J'avais tout juste 19 ans et cette soirée-là, j'avais un 5 à 7 au bar avec des collègues. Visiblement, le souper était pénible parce qu'à ce moment-là, un peu tipsy, je me suis inscrite sur Tinder. Tu sais qu'un party est plate quand tu t'es inscrit sur Tinder. Oui. Live pendant le souper. Ouais. Entre l'entrée et le repas, là. 10 minutes à swiper, je match avec une fille qui habite à 1h40 de chez moi. À noter que j'habitais dans un village où le lesbian circle était très peu présent. Je me dis bon, elle est belle, on a des passions communes et je suis horny. Oh! Hein? C'est parfait! 1h40. Ça va à peine. Oui. On jase, les discussions sont bonnes, très sweet, et une bulle me passe, je fais mon sac et je pars en auto. J'avais complètement dessoulé, promis. Pas venant, elle était saoule. J'arrive là-bas, la fille habite chez ses parents dans une maison grande, 4 fois comme la mienne. Il est environ 10-11 heures, sa petite sœur de 7 ans m'ouvre et hurle « Ton ami est arrivé! » Sa mère me dit d'aller la rejoindre au sous-sol. Elle voit la sœur, elle voit la mère, puis en tout cas... Oh, mais après 1h40, tu y vas, là. Elle a-tu dit quel âge qu'elle avait? Elle a 19 ans. La narratrice a 19 ans. Okay. La petite fille a 7 ans. Après avoir cherché la dite chambre 10 minutes dans le sous-sol plein de couloirs... Elle était saoule. Ah, c'est clair qu'elle était saoule. Il y a plein de couloirs dans le sol. Il y a plein de couloirs. T'es mêlant. Elle me dit d'entrer. Elle est couchée dans son lit, elle écoute du gros rock, nue, en mangeant des biscuits Subway. C'est excitant. Je sais pas. Toi, tu trouves ça excitant. Énormément. C'est quand même intense. Oui, mais... Première date, là. Tu affiches tes couleurs. Oui. Comme t'es... Tout nu, oui. Biscuits Subway. Mais je peux comprendre la vibe, là, tu sais. Ah, bon. Ben non, mais... J'ai eu des dates plates, tu sais.
Bon, OK, on se comprend sur la raison pourquoi je suis là. Elle est nue, on va baiser. J'enlèverai le gros rock puis les biscuits Subway, par contre. Ouais. Moins nécessaire. Elle puis toi, vous vous rejoignez. Vous vous comprenez, hein? On mais, est pareil. Dit, mais c'est un vibe, elle dit. Elle me tend un biscuit et me dit... Tout nu, t'sais. Elle me tend un biscuit et me dit « Aimerais-tu ça que je te peinture? » Fun starter, mais on aime l'art, donc why not? On aime on l'art! Aime l'art. Une épicurienne. Elle m'ordonne de me mettre nue. Ça m'allume bien raide. Non, c'est excitant, elle sort sa peinture et me dit de me coucher sur le sol. Il y a une bâche de camping à terre. Oh. La fille veut me peinturer ou bien m'assassiner. Puis on n'oublie pas que toute sa famille est juste en haut. sa soeur n'est pas encore couchée. C'est à se questionner... Regarde Paddington. C'est à se questionner si je me couche par terre ou je quitte le plus vite possible. C'est pas une... Qu'est-ce que tu ferais, toi, ouais, qu'est-ce Martin? Que tu ferais? Moi? Oui. mettons, t'es une jeune lesbienne. Moi, j'aurais mangé le biscuit puis je serais parti. Bon, j'ai fait 1h40 de route, j'ai 19 ans et je suis horny. OK, je reste. Ben oui. Je me couche et d'un coup, elle drop de la peinture en tube sur moi. J'ai fait le saut, j'ai un peu crié. Elle me dit « Chut » parce que sa famille écoute un film. C'est elle le problème. Ben non, d'ailleurs. Elle me frotte ça sur le chest. Je pensais être une toile ce soir. Je pensais pas être une toile ce soir. J'imagine déjà la vaginite que je vais pogner flambant nue, pleine de peinture. Ouais. Ouais, je comprends. Hein, les vaginites. Ben hein, oui, avec la peinture, là. Aïe, aïe. Qui a pas eu une vaginite en se faisant peindre? Finalement, ça se passe bien. Elle rend ça sexy. On commence à s'embrasser. Comment elle fait ça? Je sais pas, man. Ben, ah oui, tu l'as. Merci, c'est gentil. Ça se peut, ça se peut. C'est une main. OK, on commence à s'embrasser encore sur une bâche de camping puis pleine de peinture. On se touche, on se tease et elle m'avise que sexuellement, son alter ego la fait parler anglais. C'est bon. Martin, c'est la moins weird des dates. Ah oh, oui! C'est la moins weird. C'est la moins weird. Ça, c'est votre public. Oui. OK. Oh. Salut! C'est vous autres qui avez écrit ça, là. C'est bon. Divertissant. Why not? Je suis bilingue et no king shame. Je suis down. Je suis bilingue. J'aime l'art, je suis bilingue. Allons-y. Elle me lance un « Can I use toys on you? » Elle parle mal anglais. Elle parle comme une immigrante indienne qui maîtrise pas trop la langue. « Can I use toy on you? Yes. »« Can I? Toy? On the pussy. The pussy, you know? I'm gonna use the toy. Gonna be great. Gonna be great. Gonna be great. Number one, number three. Yep. Name bread. Okay. Le name bread, t'es trop. Vraiment sexy, voix rauque, ça me donne chaud. Moi qui réponds oui, elle part en haut et descend avec un objet, un dildo qu'on peut mettre dans le congélateur pour qu'il soit froid. Un genre de dildo en vitre frette. Il était dans le congèle. Il chillait avec les lunchs familiaux de la semaine ou quoi? C'est une bonne question. Parce qu'il est dans le congèle familial, on le comprend. Spécial. C'est spécial, ça. C'est spécial. Y a-t-il ça de chez vous? Non. Non! C'est curieux. Puis avec mes parents, je mettais pas de... Non. T'as pas de dildo? Non. Elle... C'était strict chez vous? C'était strict. C'était strict. Non, les conservateurs, là, on sait. Elle me pénètre avec le dildo et je sais pas ce qui s'est passé, mais lorsqu'elle l'enlève, je hurle. Il était cassé. Il avait une petite
coche dedans comme si le chaud versus le froid versus chaud interne de mon vagin l'avait fait craquer. Ah ouais, je comprends. Imaginez-vous donc que c'est plus de la peinture sur la bâche, c'est du sang. Hein? Same old, same old. Oh là là. Oh, oui. Je comprends pas ce qui se passe. Non. Et je cours aux toilettes. Parenthèse, excellent moment pour plugger Eros et compagnie, qui vont pouvoir définitivement vendre des jouets pas mal plus safe que le dildo glace congèle brisé qui vient de me détruire l'intérieur. Merci, Google 15. Oh! Hein? Bravo. Ouais. Une professionnelle nous a écrit. Quand même... Elle hurle à sa mère. Oh, je pensais que c'était fini. Ben non. Si, bol. Alors, go. Merci à vous. Elle hurle à sa mère de venir en bas. Oh, je suis encore aux toilettes, bien nue. Je me rhabille en prenant bien soin de voler un tampon parce que je comprends pas pourquoi je saigne autant. J'ai mal, mais je crois pas que c'est parce que je suis dans ma semaine. Je retourne dans la chambre. Sa mère est là. La fille est là, devant une bâche de sang et de peinture. Ah, Chris, elle m'explique la raison pourquoi j'ai atrocement mal le dildo et une craque dedans. Sa mère nous amène à l'hôpital. Finalement, tout est OK. La blessure va se refermer toute seule. Ben oui. Fait que c'était pas nécessaire de vivre ça. Ah, oh, c'est extraordinaire. Mais, parce que c'est pas fini. Tempête de neige, j'ai dû rester là 48 heures de plus. Je peux vous confirmer que les soupers de famille étaient franchement malaisants. J'ai dormi dans la chambre de la petite sœur. Aussi, je vous assure que m'asseoir sur une chaise était extra douloureux. Quand la température était bien, j'ai quitté, puis je riais pendant toute ma ride de char. J'en ris encore, mais sur le moment, c'était pas mal moins drôle. Je peux pas croire que j'ai une place pour pouvoir compter ça tout haut. Wow, vous êtes incroyable. Bravo, bravo. Bravo. T'as-tu eu un accident de jouet, toi, dans la vie? Un accident de jouet? De jouet sexuel? Non. Mais non. T'es-tu déjà allé dans un sex shop? Oui. T'as-tu fait des achats ou t'es juste allé regarder? J'ai déjà fait des achats. C'était-tu pour un party comique ou un achat sérieux? Un achat sérieux, là, un livre, là. Des belles nouvelles érotiques. Tu veux-tu lire? Je lis ça? Oui. Ouais. Celle-là, oui. S'il te plaît, s'il te plaît, lis chaque mot qui est écrit. Absolument. Oui. Oui, oui, oui. Et voilà. Bonjour Thomas et Stéphanie. Je lis-tu en haut de bonjour? Non! Okay. S'il te plaît, non. Faut de moi les reconnaître, mais ça va vite. Premièrement, je suis une grande fan de votre podcast. Mon fils m'a fait découvrir votre podcast il y a plusieurs mois et j'adore votre complicité. Oui. Oh, c'est beau. Ah. Oh. C'est gentil. Stop it. Dans le dernier podcast que j'ai écouté, Thomas demande à recevoir des histoires de rencontres de femmes plus âgées. On demande, on reçoit. Eh oui. Alors, je me suis dit que je devais vous envoyer ma dernière aventure sexuelle qui est devenue très piquante et surtout étrange. Je sais pas ce que je lis, hein, en passant. Mais je suis un peu inquiet. Martin, c'est pire que tu penses. Ah, oui? Je te jure, man. Je te jure, c'est pire que tu penses. C'est pire que tu penses. OK. C'est pire que tu penses. Voici mon histoire. Non, mais là... Oui. Mon fils est un humoriste connu, Martin Matt. OK, voici mon histoire. J'ai divorcé il y a maintenant un peu plus de un an, à l'âge de 59 ans. Un bon vieux mariage favorisant la maison et mon jardin à une relation amoureuse saine. Je me suis marié à l'âge de 19 ans et j'ai connu seulement un homme dans ma vie au niveau sexuel. Si nous pouvons appeler ça un homme. Elle était tannée, hein, à la fin. Mettons que,
qu'en 40 ans de relations intimes, la chose la plus dépravée que nous avons fait... Hey, qui est-ce dépravé? Attendez. La chose la plus dépravée que nous avons fait est de faire l'acte pendant le jour. Elle ajoute, nous sommes quand même bien loin de la plupart de vos histoires. Effectivement. Effectivement. Une petite distance. Je dois avouer que j'ai été en mesure de rester fidèle à mon mari durant tout ce temps. Mais ce n'est pas sans conséquence. Quoi? Elle presto a sauté, c'est ça qu'elle veut dire. Disons que les pages les plus fréquentées sur ma tablette comportent souvent 3X, porn, big cock, threesome et anal. À l'écran majuscule! À l'écran majuscule! C'est sûr que le premier onglet, c'est la presse plus. Puis après, il y a ça. Elle lit Patrick Lagacé, elle ferme, puis après, ça va voir Big Cock. C'est sûr. C'était belle veillée, c'était belle matinée. Oh, je sa tablette! Je suis une très grande consommatrice de pornographie. C'est la seule chose qui calme mon appétit sexuel, plus grande que la moyenne des femmes, je crois. OK. Ça débat. En même temps. Après mon divorce, je me suis dit que j'allais laisser sortir la panthère sexuelle en moi. Go get him, girl! Qui avait été emprisonnée durant 40 ans. Mm. Le prochain mot me trouble un peu. Mon fils... C'est son fils qui l'a aidé. Il m'a installé les applications de rencontre Tinder et Bumble. Ferais-tu ça à ta mère? Mm. Mais, parce que t'as quand même aidé pourquoi ton pas? Ok, pourquoi pas? Je comprends. Bon. Mon profil était direct. Femme ayant vécu 40 années de sexe beige, désir du vrai sexe. Excusez-moi, ben ça y est, meilleure femme. Meilleure femme. On l'a trouvé meilleure femme. Meilleure femme. Elle rajoute, vous me direz que c'est direct comme approche, mais je n'ai plus de temps à perdre. On a compris. Après avoir échangé plusieurs sextos, photos cochonnes et vidéos de masturbation, je devais juste fourrer avec un vrai homme pour la première fois de ma vie. Un vrai homme pour la première fois de ma vie. Après 40 ans avec un homme, rappelons-le. Allahi! D'après moi, il se revoit plus. Alors, vous comprendrez que je suis quelqu'un de très ouvert sexuellement. Je regarde toutes sortes de pornographies possibles. Ça fait comme 11. Elle continue. Gang bang. Cuckold. Revenge. Cuckold. Revenge porn. Pas légal, ça, madame. C'est pas légal. Faut que t'arrêtes ça, même. Swinger. Rim job. Anal et encore plus. Je veux juste souligner, anal, il revient deux fois. Oui. Oui, hey, oui, mais c'est ça, bon aussi. Mais c'est vrai, bon. Rien ne me choque au niveau sexuel. Non. Attention, il y a un petit bout de phrase après. Rien ne me choque au niveau sexuel. Jusqu'à cette rencontre avec Marc. Qu'est-ce qu'il a fait, Marc? Veux-tu essayer de deviner? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait, Marc? Je dis qu'il a mis une bâche à terre, puis il l'a peint. Il a pété un dildo dans... Non, mais je sais pas, je vais voir. Ma chérie, c'est pas ce qu'il a fait. Il s'est pompé à la graine, puis ça... T'as peu. Marc est un jeune homme de 38 ans. Quand même. Mmh. Bien bâti, en forme, travailleur de la construction, avec un gigantesque pénis. America. Tout pour répondre à mes demandes. Le jackpot que je me suis dit. Après plusieurs échanges, je décide de l'inviter chez moi pour une soirée de baise. Oh! Je me sens comme quand tu lis des histoires aux enfants. On tourne la page.
Il sera pas là. Il arrive chez moi. Je lui dis tout de suite d'aller dans la douche car je veux avoir plusieurs... Je lui dis tout de suite d'aller dans la douche car je veux avoir, à l'écran, lettres majuscules de temps en temps, comme plusieurs relations sexuelles avec lui. Maintenant, et je veux du vrai sexe wild. Une femme est claire. Oui, t'es claire. Absolument. Wow! Il sait comment faire jouer une femme en moins de 2 minutes. Marc est une bête, je dois l'avouer. Wow! My God! Jusqu'à ce moment où tout était parfait. Ah! Je pense... Ouais. Je sais pas. Jusqu'au moment où il me demande de lui faire plaisir. Avec avoir... Bon, c'est un peu bizarre. Avec avoir eu plusieurs orgasmes, à mon tour de lui faire plaisir. Okay. Il me demande de lui mordre le gland lors d'une fellation. Mm. Ah, ça devient plus bizarre. Cool, cool. Je n'étais pas certaine. Et nous non plus. C'est une bonne affaire. Oui. Mais finalement, j'exécute l'acte sans attendre. Mais il me demande de le mordre plus fort. Ma chérie, si tu devais mordre un gland, quelle dent? En avant, en arrière? J'ai quand même... J'ai des bonnes palettes, hein? T'as des bonnes palettes. Ouais. Je pense que j'essaierais plus sur le côté. Je me sentirais moins mal. Ou les molaires pour écraser la pression. Ouais. C'est ça. Tu penses bien. Toi, si t'avais à mordre un gland, Martin... Moi, j'aurais aimé mieux une réponse comme « Ben, moi, je le ferais pas. » Je dirais « Ben, non. » M'a donné un biscuit Subway à la place. Alors, OK. Attends un peu. Ouais, il me demande de le mordre plus fort. Je dois dire que je commence à avoir peur de partir avec un morceau de... de son gland. Elle a-tu un dentier? Elle dit pas. Okay. Ben là, non. 59? 60, je pense pas. Bon, non, je pense pas. Je fais tout ce qu'il veut en espérant le faire jouir. Cependant, rien ne fonctionne. Il me dit que je peux serrer ses testicules. Dans... je peux serrer ses testicules dans mes mains ou même les croquer fort si je veux le faire capoter. Ouais. Je commence à être plus certaine de vouloir continuer. Après 10 minutes sans succès, il me dit d'arrêter, qu'il ne sera pas capable de venir. Oh. Il m'explique qu'il aime avoir mal et qu'après tout... Attends un peu. Et qu'après avoir tout vécu au niveau sexuel, plus rien ne réussit à le faire venir, sauf, en lettres majuscules, une chose. Étant très curieuse, je me demande bien ce qu'il va me sortir. Ah, oh, parce que c'est pas mordre le gland, c'est autre chose. Sauf une chose. Mais j'étais loin de me douter de la solution. Bon, c'est quoi? Je lui demande ce qu'il veut que je fasse. Il me dit que ça doit être très piquant pour qu'il puisse jouir. Je dois avouer ne pas comprendre, car selon moi, c'est une soirée plutôt très piquante au plan sexuel jusqu'à maintenant. Oh. Il me dit qu'il revient, il sort de la chambre. Je me demande vraiment comment je vais arriver à le faire jouir. Je commençais même à le prendre comme un défi. Mm-hmm. Il revient dans la chambre, ferme les lumières et me demande de lui faire confiance. Oh. On fait-tu confiance à Marc? Bravo. Il y en a un qui fait « Oui, oui, oui! » Thank you. Mais je me dis rendu là, pourquoi pas? Ben oui. Il vient près de moi et me demande de tendre la main, ce que je fais. Il me verse un semi-liquide dans la main et me demande de le masturber rapidement avec le produit. Je commence à comprendre qu'il avait apporté un gel afin d'augmenter la sensation sur son pénis. Alors, je le masturbe et il me remet à 2 ou 3 reprises du gel dans les 2 mains. Et il crie, en majuscule, « Encore! 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 Continue! Je le sens bien! » Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le jeune homme, il dit? Sais-tu pourquoi t'as pas compris? C'est parce qu'en le lisant, je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce que t'es en train de faire là, tu sais? Ta carrière va bien. T'as pas besoin d'imiter un gars, Marc, qui se fait masturber par une madame avec un bizarre de gel. Mais bon, je vais continuer. C'est un conseil à donner aux jeunes, c'est juste, fais pas de podcast à toi. Il crie, continue, je le sens bien.
Je me suis dit que j'allais le faire venir dans ma bouche, alors je prends tout son sexe dans ma bouche. Elle est tellement dévouée. Erreur! Je le repousse et commence à paniquer. Ma langue brûle. Je me sens bouillir littéralement. Je vais ouvrir la lumière à toute vitesse et c'est à ce moment que j'ai compris ce qu'il voulait dire par piquant. Je pensais à une image de style, mais non, juste piquant. Il avait le pénis rempli de tabasco. Il commence à essayer de... Il commence à essayer de se justifier, mais je ne comprends rien car je dois avoir 2 litres de tabasco dans le fond de la gorge. Précision ici. Des chips aux jalapenos me font pleurer tellement que je ne supporte pas le piquant culinaire. C'est en courant vers la cuisine afin de boire du lait que je me suis... qu'il me suit en m'expliquant qu'il aime avoir mal. Après 5 minutes à essayer de retrouver mon calme, je lui demande simplement de partir. Depuis ce temps, je me demande toujours à quand une catégorie tabasco sur Pornhub. Vive le sexe beige, finalement! Belle histoire! C'est une belle histoire! Belle histoire! C'est une belle histoire! Sacré Marc! Hein? Comment tu te sens jusqu'à présent, Martin? Comment je me sens? Très bien. Parfait, super. Excellent. On va continuer alors. Est-ce que vous êtes prêts? Cette date est courte, mais je l'aime beaucoup. OK. T'as une belle voix. T'es un acteur, t'as gagné des prix oui, pour ça. J'ai mots qu'on dit. Puis je pense que tu vas gagner. Ouais. T'as gagné des médailles! T'es comme Marie-Philippe Poulin, c'est pareil. J'aime que ça commence avec « Bonjour ». Bonjour. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une fille sur Tinder avec qui j'ai discuté par-ci, par-là durant... avec qui j'ai discuté par-ci, par-là. Quand durant 2 semaines environ. Sincèrement, ce n'était pas tellement mon genre de fille. Je suis plutôt un gars assez casual. Merci beaucoup. Quel est ton prénom? Olivier. Comment? Olivier, merci beaucoup. Félicitations pour tout ce que tu fais. Alors, je suis plutôt un gars assez casual, sportif et un peu geek. Oh. La fille, elle, était une fille de bois. Oh. Un peu, est-ce que tu termes le stéréotyper? Stéréotyper? Stéréotypé. Excuse-moi. Excuse-moi. À ma défense, c'est très mal écrit. C'est pas avec ces lettres-là. Dans la rousse, tu le cherches pas comme écrit comme ça. Mais il y a des petites fautes, hein? Si, merci de pas lire à l'oreille, parce que c'est plus difficile à suivre. Penses-tu que si tu présentes ce texte-là à TVA... Il va avoir pas voulu. Dirait... Ou à ta mère. Trouve-toi un clavier avec des accents, déjà. OK. Stéréotypé. C'est évident. Stéréotyper. Alors, des photos d'elle avec l'orignal qu'elle vient de tuer, par exemple. Wow! C'est par exemple. Mais bon, elle était cute en Chris. Et j'avoue être un peu horny. Voilà. J'adore ce gars-là, man. Tu l'adores? Sur Sexto, ça coule... Mais non, mais ça va. J'arrête. Ah oui, ça va. Ça coule comment? Tantôt, il écrivait ça, S-A, et là, c'est C-A, pas de C-D. Mais c'est pas grave, ça va. Sur Texto, ça coule bien. Elle me semble intéressante. J'aimerais ça, un mot, pas de faute. Hein. Je sens! Tu lis, puis tu sens rien, puis c'est les bonnes lettres. Tu sais, quand t'écris dans Word, puis il y a des waves rouges continuellement. Ouais, il est geek, mais pas faut français. Faut que ça fasse. Hein. Ah, il doit écouter le podcast. Ben oui, ça, il n'aurait pas écrit. C'est ça. Ben, on rit de lui. Fait que je veux pas l'insulter. Ben, il est trop tard. C'est raté. Vrai? C'est raté. C'est ton but, c'est qu'il se sente respecté. C'était pas bon, hein? Mais je t'aime comme t'es, mais... Change. Travaille un peu. Travaille un peu ton français. Oui, un peu.
OK, je continue. Sur Sexto, elle semble intéressante, donc je me dis, pourquoi pas essayer? Après tout, hey boy, ça peut être justement des stéréotypes que je me mets dans la tête. On sort en date dans un bar, chacun accompagné. Comment il a écrit, Martin, accompagné? Comment elle peut l'accompagner? A-C-O-M, il manque un C, c'est pas si grave. P-G-N-E-R. Fait que moi, il faut que je lise accompagné quand c'est écrit accompagné. C'est là les Gémeaux. Tu vois le Gémeaux, est-ce que... Yeah! Accompagné. De 3-4 amis de chaque côté. My God! Il se mettait dans le centre. La suite royale. Plus la soirée avance, plus mon idée est claire. Je ne la rappellerai clairement pas. Elle est pas assez intelligente pour lui. On sait pas pourquoi. Malgré ça, je la trouve toujours cute et j'ai l'intention de bien finir ma soirée malgré ça. Ça, quand tu le dis malgré ça une fois, pas besoin de le remettre à la fin de la fin, mais c'est correct. Écoute, pour le moment, il n'y a rien d'élevé, puis il ne reste que deux paragraphes. Ah, oh, mais on va se rendre. Finalement, le bar... Ouais. Fais-nous confiance! Je te jure. Finalement, le bar ferme et elle me propose de finir ça chez elle. Je m'y rends et tout se passe bien. Je commence à lui faire l'amour et à oublier que tabarnak... Je peux pas croire que je couche avec cette fille-là qui a une personnalité complètement opposée à la mienne. Je finis par la retourner sur le ventre afin de closer ça en doggy. Oui. Oui. Il reste 4 lignes. Oui, mais c'est important. Non, mais toute une ligne. Gang, je vous jure, toute une ligne. Non, non, je te fais confiance, là. J'ai même peur des 4 dernières lignes. Je vous jure que je ne les ai pas regardés, là. C'est... C'est à ce moment que j'ai remarqué son tatou. Écoute, la fille avait un tatou juste en haut des fesses avec l'inscription « Ça opère ». Si elle a vraiment fait le tatou comme il l'a écrit, elle a deux fautes dans son tatou. Oui. Ça, au père. As-tu déjà vu ça? Il enchaîne. Tabarnak. Ah. En majuscule. Je suis finalement venu sur son « ça opère ». Remis mon linge, décalissé, et je ne l'ai jamais rappelé. Je m'en suis pas encore remis à ce jour. Il atteint. Bravo. Il atteint. Oh. Ça opère. Ça opère. Ah, oh, c'est merveilleux. Ah, oh, c'est génial. J'aime tellement ça. J'ai envie à tous mes amis. Tout le monde a reçu ça aujourd'hui. Quoi? La fille? Bref. La prochaine date est spéciale. Oui. Parce qu'on a reçu une date fucked up d'un gars qui nous écrit souvent, continue. Mais là, on lit jamais ses dates parce que c'est spécial. Mais là, cette date-là, ce qui me fait mourir de lui rire. Lui est spécial. Oui, oui. Ça, c'est la base. Ce qui me fait rire avec cette date-là, on dirait vraiment que c'est Philippe Audrey qui l'a écrit. Ouais. Ouais. Puis gang, je sais pas si vous êtes d'accord, mais si c'est écrit par Philippe Audrey, ça doit être lu par Philippe Audrey. Allô? Merci. Hey!
Oh, wow! Martin Matt, il m'applaudit! Ben oui! Hey, la première fois qu'on s'est vu, ouais, il m'avait dit « Crois tes rêves, lâche pas! » Ça va bien. La première, hey, ça m'a resté, là. Je me rappelle. Ben oui. Hey, puis c'était, hey, pis ça riait pas, puis t'avais ouais. trouvé les bons mots pour me... Je me rappelle que t'avais dit ça. Ouais. Oh, croisi. Ouais. Croisi, tout ça. Mais... T'avais dit, continue ton chemin. C'est ça, on se reverra. On va se revoir à un moment donné, tu m'avais dit ça. Ouais. Fait qui l'a cru? Regarde. Après un gars qui... ça opère, hein? Ouais. T'as un échantillon de mon cauchemar quotidien. Tu t'es mis beau? Non, normal. La base. La base. Tranquille. C'est ce qu'on appelle être en pyjama. Mais j'ai des cadeaux pour célébrer l'occasion. Ça fait des semaines que je veux remettre ça à Stéphanie. Un magazine spécialement pour toi. Wow. C'est, on connaît tous ta passion. Monte-les, mon amour. C'est que... C'est son James Bond préféré. Alors, oui. Elle se masturbe beaucoup en passant. C'est Pierce Brosnan dans ses belles Billion Dollar Bond. Ouais, puis c'est for Bond Lovers Only. Oh mon Dieu, for... Puis là, je peux pas l'ouvrir parce que c'est un truc de collection. Ouais, c'est ça qui est triste, mais oui, un peu. Comme j'ai quand même payé un peu trop cher, je pense. Combien? Je me souviens pas, mais ben, tu sais, l'argent, nous autres, ça nous sort par les... Fait que, tu sais, quand t'es riche, on finit par oublier les montants, mais... Je sais pas, un petit 800, là, un enfant dans mon truc. Oh, sérieux? Ben, non, mais... Oh, est-ce qu'il passe... 800? T'avais ça dans les poches. Mais non, ce qui passe avec Interac, là, sans fil, là, je sais pas ce qu'est le montant exact, mais le top, là. Wow! Ouais. Puis Thomas, j'ai des cadeaux pour toi aussi. Ah, oh, t'es fin! Ouais, j'ai Devenez magicien avec Luc Langevin. Ah, oh! Pitch! Ah, oh, je suis content! Puis oui, ça. Parce que oh, Thomas il dit tout le temps que c'est la magie, tu sais, il veut faire vivre la magie avec Stéphanie, fait que comme j'essaie d'aider c'est leur. Très bon. Ouais. Très bon. Il me dit la nuit c'est là que je fais aller la magie puis tout, puis ben je donne des trucs dans yeah, ma... la comme ça c'est magique. Il y a l'air d'un gars max, civilisé. Là ouais. Là. Hey. Ça. C'était un truc ça pour la COVID. Ouais. Hein? Ouais. Quand quelqu'un te donne de quoi il monte ouvre dans ta avec bouche. Ta bouche. Il disait ça tout le temps. 15 tours! Ouais! Il m'a toutes les faire à Noël. Ah, oh, j'ai hâte. Puis j'ai surtout un livre pour toi, Thomas. Yes! Qui s'intitule, parce que je voulais pas... Je voulais pas comme... Une clé! Oui, oui, ben oui, écoute. Capote plusieurs clés? Que, oui, plusieurs, des dés. Wow! Hey, oh! Des dés! Hey, il est mais peut-être que tu voulais-tu vraiment qu'il fasse les trucs là? Non. Non. Sinon, je t'aurais dit d'apporter ton petit chapeau, mais... C'est pas être magicien, c'est pas le chapeau. Non, t'as pas ta petite cape. Mais j'ai surtout... parce que je connais tes habitudes de vie. Fait que je t'ai apporté un livre qui s'intitule « Plus riche que tu ne le penses ». Couponing, planification et autres stratégies pour économiser au quotidien. Ah, t'es fin! Ouais, puis comme je sais que c'est une question de temps avant que les pages soient collantes, je l'ai feuilleté avant... Que tu t'en occupes. Oh, oui, parce que moi, je me masturbe souvent en passant l'argent. Oui. C'est un problème. Non, mais c'est un problème. Mais Philippe est arrivé avec 3 cadeaux, puis vous en avez 3, moi, 0. Non. C'est ma présence. Ah, c'est ça, mon cadeau? Oui. Mais tu l'offres à eux aussi? Non. Ben, non, mais c'est parce que, vu que toi et moi, on est des amis, hein, tout. Rampez vous-même vos aliments. Oui. En fait, il explique... C'est bon! Il explique comment... J'ai pas écouté, excuse-moi. Le transport terrestre! Ah ouais. C'est bon, ça! Wow. Ouais, puis là, il montre comment prendre des coupons. Tu vois comment il est passionné? Il est cheap en esti, ce gars-là, mais... Tu vois, il... Non, c'est fou. Thomas, je... Oh! Ah oui, hein? Hey, il me demande d'y rapporter des circulaires d'autres villes. Quand je pars en tournée... Il me dit « Rapporte des circulaires. » Les politiques imbattables, Maxi Tigre Géant. C'est là? Oui. C'est vrai? C'est grâce à toi, ça. Ouais, c'est grâce à moi. Oui, c'est comme Tigre Géant, c'est génial. T'sais, je sais pas. Oui, Tigre Géant, oui, bon. Non, mais il parle de tous tes programmes, Thomas, PC... Phil, tu veux-tu lire une date? Oui, OK. D'accord, c'est parti. Alors, une date? Oui, mais c'est parce que moi, il faut que tu saches, Martin, j'ai une certaine gêne par rapport à l'acte. Ah oui? Oui, je suis pas à l'aise en matière de sexualité. Il n'y a pas de sexe là-dedans. Il n'y a pas de sexe? Non, c'est pas ça que tu es toi. Pas à l'aise d'en parler ou de le faire? Oh, pas mal tout, là. Oui.
Oui, oui, oui. Moi, je vais dans d'autres pays, fenêtres fermées, puis tout fermé pour comme pour me sentir à l'aise. Ah oui? Ouais. Donc ici, très peu. La première fois que tu t'es masturbé, c'est-tu au Collège Notre-Dame ou chez vous? Oh Thomas, ça commence mal. Parce que t'étais pensionnaire. T'étais pensionnaire, tu découvres qui t'es oui, dans la vie. Oui, mais puis... les curés étaient là pour nous, fait que je sais pas si ça compte, mais... C'était bon. C'était drôle, celle-là? Martin de moins ri. Non, j'ai ri. Ben, j'ai senti un... Là, ça a été plus... Est-ce que c'était vrai? Ah! J'étais trop laid pour ça, Martin. Oh, ouais? Oh, je les tentais même pas, les pédos. T'imagines comment j'étais dégueulasse? Oh, ouais. Ben, ouais. T'avais... Tu devais être en habit pis en cravate. Ah ouais, j'avais tout pour les teaser. Oh, pis pour... Hey, j'étais choriste servant de messe. Ben, s'il y en a... Ah non. Il voulait pas. Servant de messe? Ah ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Le mardi matin, ah ouais, le petit ensemble pis ouais, tout. Ouais, ouais. Oui, wow. Le cossin, là. Okay. Le petit oui, ensemble, ben oui, tu te promènes... Ben non, mais je voulais m'intégrer à l'école, fait que je me suis dit quoi ben oui, de mieux qui triste, que de joindre... Ben oui. Les si tu veux pogner à l'école, t'es servant de messe. Ben oui, ben oui. C'est ça qu'ils aiment, là, les jeunes. Cool. Les filles. Les oui, filles, ils adorent ça. Les filles capotaient. Ouais. Pour vrai, là. Ah ouais, hein? Ouais. C'est encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, là, je leur raconte que moi, j'ai... Ouais. Hey. Ça, là? Oh! C'est ma description. T'sais, si j'étais sur Tinder, ouais, ça serait ça, servant de messe, pang. Mais t'es pas sur Tinder. Es-tu en couple dans la vie? Oui, oui, oui. Oui? Oui, oui, oui. Oui. T'as réussi? J'ai été capable. Chris. Puis ah, je tiens. Elle est cool. Elle est cool. Oui. Non, mais ça te pourrait être en couple avec quelqu'un qui fait non. Mais non. Puis tu dirais ça là si ouais. C'était... Ah ouais, oui, parce ah, que bon, je t'aime. Ben... Puis c'est important que tu t'en sors. Ben, OK. Mais non, elle est incroyable. Et moi, je suis amoureux. Ah oui, c'est vrai. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Et là, t'es à l'aise que tu sois pas à l'aise avec le sexe? Vas-y, lis-nous ça. Oui, on va lire ça, Martin. D'un malaise à l'autre. Alors, bonjour. 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 Gang. Je lis pas super bien, fait que... Ben, okay. J'avais déjà remarqué. Donc... J'ai eu ma part de mauvaise date, mais celle-ci reste la seule qui m'a marqué. Ah, c'est super important. Oh non. Le gars qui nous écrit, son nom de plume, c'est Monsieur Maxwell. C'est important, ça revient dans l'histoire. Ah ouais. Okay. Mais pourquoi il écrit? Ben déjà, il y a un problème, là, je pense. Je t'écoute. Parce qu'il dit, c'est la seule qui m'a marqué physiquement. Ça veut dire qu'il y a eu des objets contondants. C'est pas facile, cet homme-là. Oh. Hey, d'ailleurs, juste parenthèse, ça opère. À un moment donné, j'ai croisé une fille. J'étais dans un karaoké à Saint-Timothée, tu sais, la place des notables. Puis. La bourgeoisie. Ben ouais. Et il y avait une fille, étonnamment, avec qui ça cliquait. Parce que le karaoké, j'ai une histoire passionnante avec c'est ça. C'est une belle voix. Ben, c'est là où je rayonne, en toute honnêteté, l'humour. Mais c'est vraiment au karaoké. Et. Le contact passe assez bien avec une demoiselle, puis on parle musique, et Dieu sait que musique et moi, c'est assez, tu sais, c'est des bonnes frictions. Puis là, on parle d'un groupe que j'aimais bien à l'époque qui s'appelait Sublime, puis là, elle fait « Ah, moi aussi, je capote Sublime », puis là, elle me dit « Veux-tu venir chez nous? On va écouter du Sublime », puis moi, je comprends pas les gestes exactement à ce moment-là. Fait que je suis comme « Ah, ça serait intéressant, tu sais, ben oui, parlons musique. » J'ai pas écouté leur dernier album, puis elle dit « Moi, non, je trippe tellement... » Il y a pas dernier album, il est mort, le gars. Non, mais, ben, ah ouais, mais là, elle était comme... Il aimait l'héroïne, puis l'héroïne l'aimait, il est mort. Ah, c'est-tu vrai? Ben non, là, okay. Thomas, j'ai pas 13 ans, moi, j'étais servant de messe, OK? Mais même s'il est mort, il a fait un dernier album. Oui. Ah, t'as pas tort, t'as vrai. Que j'ai pas écouté parce que c'est ça. Puis là, elle me dit, tu pourrais venir dans ma chambre puis tout. Puis moi, je suis comme, ah ben oui, si le stéréo est bon. Puis là... C'est là qu'il y a le meilleur acoustique. Ouais. Puis là, elle commence à comme se coller sur moi. Puis là, je commence à comprendre les gestes. Tu sais, je suis un vif d'esprit. Puis là... Je te juge pas. Je te juge pas. Écoute. Puis elle me dit, elle me murmure à l'oreille... Tu sais pas à quel point je trippe sur Sublime, moi, dans la vie. Puis je fais « Oh, je crois pas. Non, non. Non, dévoile-le-moi. J'ai hâte de voir. » Moi, je m'attendais à des posters. Tu sais, un peu, quand les vedettes vont, ça doit t'arriver, les vedettes vont chez les gens, puis là, c'est tapissé de leurs photos sur les murs. Moi, je m'attendais à ça, puis elle se vire. Puis au-dessus de la... Tu sais, comme... Ouais, c'est écrit « Sublime ». Puis là, je fais « Oh! » Ça, c'est de la dévotion pour un groupe quand même, là... Sublime au-dessus des fesses, puis elle dit « Ouais, c'est pour le Ben, mais c'est aussi quand je me fais fourrer dans le cul, c'est sublime. » Puis tu vois, il y a...
Il y a pas. Ben, on était à Saint-Timothée, fait que là-bas, c'est une invitation. Tu l'as-tu fait? Eh bien, non, Thomas. Ça, il manquait de romance et de mystère un petit peu. Ouais. Oh. Juste un petit peu. C'est sublime quand c'est fourré dans le cul, mon amour. Ben, je suis contente pour elle. Hein? J'étais très heureux qu'elle dise pas c'était sublime quand je me fais fourrer dans le cul. Tu sais, j'ai apprécié le mot bilingue. En tout cas. Donc, en 2018, ça faisait un peu plus d'un an que j'étais célibataire. Et j'étais dans un bar quand j'ai croisé une femme qui me disait, là, il y a une faute, étrangement quelque chose. Parce que, tu vois, il me disait... Ah, si j'en ai lu, il y en a beaucoup. Si tu veux de la faute, il y en a ici. Ah ouais. Je la regarde du coin de l'œil en discutant avec mes amis quand elle se retourne vers moi. Ah! Oh, ça, c'est un peu comme ce que Baudelaire décrit dans une passante, là. Fugitive beauté, tu sais, la ruelle assourdissante autour de moi hurlait, longue vive, regard noir, puis fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître. C'est ça qui explique, là. Pareil. Donc. Pareil. Nos regards se croisent. Oh my God! Ça y est, on se fixe quelques secondes. Son expression change et elle se dirige rapidement vers moi. Oh, il y a une furie, j'aime bien. Oui, c'est toi qui l'as écrit, je déconne pas. Hey. Et elle me dit en souriant, « Salut, est-ce que t'es Monsieur Maxwell? » Ça commence mal, je trouve, là. Mais les gens viennent prendre une drop un peu. Je lui réponds que oui et qu'elle me dit quelque chose. Elle me répond qu'elle s'appelle Marie Beaulieu, que c'est un faux nom. Bon, c'est pas Marie Beaulieu, son vrai nom. Et nom? Qu'on a sorti ensemble en secondaire 2. D'accord. Je tombe dans un trou noir et mes souvenirs... Ah, oh, j'aime qu'il personnalise. Ah, oh, ses souvenirs essaient, c'est pas lui. Essaient de reprendre le dessus. Marie Beaulieu, secondaire 2. Oh, j'essaie de me souvenir le plus possible, mais tout ce qui me vient, c'est... Qu'elle était rousse. Oh. Je sais. Il capote ses rousses. Ouais. Parce que j'aime les rousses. Je suis le gars que je connais qui a sorti avec le plus de rousses dans ma vie. Comme j'ai peut-être eu comme deux blondes, puis il y en a une qui est rousse. Oh, non, mais... quand même. Ouais. Non, mais. Ouais. Non, mais pour vrai, j'ai fréquenté comme, je pense, 5 ou 6 rousses, mais ça n'a pas rapport. C'est pas du favoritisme, c'est vraiment le hasard. Ça a pas rapport. C'est pas que je tripe sur les rousses, là. Sur Pornhub, j'écris pas Reddit. Mais non. Qu'est-ce que tu mets sur Pornhub? Je vais pas là-dessus, Thomas. Je t'ai déjà expliqué ce qui se passait. J'étais en Lituanie, puis j'ai vu un graffiti qui m'a troublé. Je te l'ai expliqué dans l'intimité, en tout cas, mais... Hein? Ben oui! Je suis mêlé, man, on se connaît. Ben c'est imagine-moi. toi, t'aimes ça en ce moment, ce qui se passe? Ah non! Crois-y, hein? Tu... Ouais. Faut que tu... Va au bout de tes rêves! Donc, fais-toi confiance. L'important, c'est qu'il y a 3 pages. Oui, non, ça va être, hey, ça va être long. Non. Moi, j'ai un rendez-vous demain midi. Oui, non, mais... annule, appelle tes enfants, dis-leur que c'était le fun de les connaître. Puis on... Non, mais... OK. Alors, j'essaie, elle est rousse. Et qu'elle avait une méchante paire de... Oh, mais là, ça, c'est vulgaire. C'est des choses qui arrivent. Oui, mais il dit une méchante paire de seins. Ouais. J'aurais aimé plus... Des boules? Non, des mais non, j'aurais dit 2 boucliers, tu sais, des trucs... Des boucliers? Oui. What? C'est pire! Non, c'est ce que... Beau... Ah, en tout cas, okay, c'est pas qu'est-ce grave. Qu'est-ce qui est pire? Dites, soit, mettons, à seins un peu d'ici ou bouclier. Qu'est-ce qui est pire, des seins ou des boucliers? Ouais. OK. Elle avait... OK, ouais. Bon, on va dire d'abord les choses telles qu'elles sont. Elle avait 2 estis de Kodjak. Déjà à l'époque. Bon. Ça, c'est bon? C'est bon. Les crises de Kodjak, OK. C'est bon. Je sais pas c'est quoi, mais j'en veux dans ma bouche. Mm. C'est ça qui est écrit? Non, c'est moi. Okay. C'est mon vocable, ça. C'est toujours le cas. Et alors, on retourne au présent. Et sa robe moulante les mettait bien en valeur.
Je lui dis que je la replace, mais ça fait déjà plus de 10 ans qu'on ne s'était pas vu, alors je ne l'avais pas reconnue tout de suite. Parle, parle, jase, jase. J'apprends qu'elle est célibataire, avec une fille en jeune âge, et que le père n'est plus dans le décor. Ben, tu vois, ça, c'est... Oui, ça vient souvent, le père plus dans le décor quand t'es célibataire. Ouais. En général, ouais. Généralement. C'est une bonne déduction, ça, ouais. Monsieur Maxwell. Bravo. Je lui dis que je suis célibataire, sans enfant, sans job. Ah, le jackpot, là, tout, là. Sans job. Une de ses... T'as-tu des enfants? Non, pas d'emploi non plus. Non. Pas d'emploi. J'ai du temps à t'accorder. Ah, j'ai du temps, là. Ah, de l'écoute puis tout. Une de ses amies vient la rejoindre et Marie me donne son snap en me chuchotant à l'oreille. Si tu veux qu'on reprenne là où on était la dernière fois. Oh, my God. Il y a 10 ans. En secondaire 2, ça devait être comme tes parents sont-tu là ou... Y a-tu du crush là-dedans? Tu sais, comme ouais. Ça devait pas être très loin, là, où est-ce qu'ils l'ont laissé. Et puis, elle quitte la salle de bain avec ses amis. Cette phrase m'est restée en tête toute la nuit. Ah, tu vois, même moi au bar, j'aurais compris. Tu vois, je trouve qu'il a attendu la je nuit. Je pense là. Pas le gars sublime que. Non, je pense non, pas. Ben non, mais. OK. Et je devais me souvenir de qui est Marie Beaulieu. Ah, j'aime qu'il continue à mener l'enquête. Et qu'est-ce qu'on a fait, ou presque fait, après une nuit de remue-ménage? Oh, c'est bon. Bravo pour l'emploi de remue-ménage. Je n'arrivais toujours pas à mettre les points sur les... J'avoue que ça me ressemble, ouais. Hein, honnêtement. Ouais. Là. Toi, ben gelé, t'écris ça. Non, ben oui, ben oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, oui. T'as raison. Oh, oui. Le lendemain, je lui texte « Salut, c'est Maxwell. Ta fin de soirée s'est bien déroulée. » Ah, il a fait une faute. Ah, oh, ça, c'est pas bon. Deux fautes. Il a fait plusieurs fautes. Si on arrête à chaque fausse, on n'est pas parti. Oui, mais c'est parce que moi, à ce moment-là, je trouve que l'amour s'exprime par la politesse, puis la politesse, c'est pas de faire de fautes, mais... C'est ça, la politesse. Oui. Wow. Tu vois, les femmes apprécient. Ouais. Toutes les gars, bouh! Ça, c'est des savas SAVE, puis toutes les filles apprécient ce que je viens de dire. Merci, mesdames. Elle me répond que oui et qu'elle était vraiment contente de m'avoir croisé si j'avais pensé à sa proposition. Hey, tu penses, toi? Je lui dis que oui, puis ça m'intéresserait vraiment de reprendre là où nous étions 11 ans plus tôt. Ce qui est toujours une bonne idée, peu importe ouais. La reprise d'activité. Il y a 11 ans, c'était ouais. Bon. Ah oui, en 2011, là, la ouais. Vie, c'était fou. Le gouvernement Charest, toute la patente, on tripe. Ah ouais. Même si je n'avais aucun souvenir de cette affaire, je vois alors réapparaître les trois petits points qui indiquent qu'elle réécrit. Elle me dit de venir la rejoindre immédiatement oh. Au parc à deux rues de chez elle, et qu'on pourra enfin terminer notre ancienne date et retourner chez elle pour consumer la tension sexuelle qui est entre nous. Ah! Wow! Okay. La tension sexuelle de la personne que tu sais pas c'est qui, là. Ouais! La blonde de secondaire 2, là, hein? Ouais, ouais. Je pense tout le temps à toi, t'as pas changé. Non, c'est ça. Tu m'obsèdes depuis ces années. Ouais. Je regarde l'endroit, moins de 10 minutes à pied de chez moi. Je regarde dehors, il y a beaucoup c'est de neige. C'est impossible mais... que ce soit arrivé, ça. Mais on ne sera pas longtemps dehors et mon manteau d'hiver est affreux. Ça, OK. Ça, c'est toi. Ça, c'est très toi. Intéressant, c'est bon. Ça, ce point-là, ici. Ça, c'est une belle note. J'apprécie la délicatesse, j'apprécie la sensibilité, petit point fashion, ouais. OK. C'est tellement toi. Honnêtement, la fin, c'est Phil. Sincèrement, la date qui m'a le plus comme... La date de American Psycho, Ouais. Elle te parle, là. Mais mettons... Ça opère, c'est toi, ça. Ça opère, ah, ouais. Opère, c'est toi. Big, le gros. Ça opère. Gros, man. Fait que... Je marche une fois dans ce parc. OK, il fait un tour de... Il fait du recon. Oh, je regarde et ne la vois pas. Je la texte pour lui dire que je suis au parc et elle me dit qu'elle arrive avec un emoji blowing kiss. Je sais pas ça veut dire quoi. Yeah, oui, un bisou. Je suis debout avec un manteau léger, un T-shirt, oh non, une chaîne en argent, oh, l'hécatombe, et des jeans, et des souliers de course Nike. Là, ça dépend lesquels, par exemple, tu sais.
Parce que tu sais, tu te pointes pas avec des Air Force One de base. Là, tu peux arriver avec des patins, mettons, exactement, ouais. Les Dunk SB là, 2011. Et ouais, ça, je me disais. Tu sais, ben oui, on en parle tout le temps, toi puis moi. Fait que... Dans un parc sombre où le lampadaire fliquait, ça, tu vois, j'aurais dit clignotait, mais le vent froid me glace les cuisses. Quoi? Il y a une poésie. Non, mais c'est beau. Le vent froid me glace les cuisses. Tu sais, il y a une assonance. Le vent froid me glace les cuisses. Oui, ça se oui. Et je ne peux fois, pas t'es. M'asseoir, car il y a littéralement 2 pieds de neige sur l'ensemble du parc. C'est quand même rare qu'il y ait 2 pieds de neige à une place c'est au rare. Parc. Ouais. C'est tout rare. Ça, c'est rare. C'est tout rare. 3, 5, 10 minutes passent et elle n'est toujours pas là. Je la retexte. Ça, à date, c'est du vécu ouais. pour moi, ça. Ah! J'arrive, ouais. 2 jours plus tard, on attend encore, mais... Ah, je la connais, celle-là. Je la retexte, sachant que je vais sûrement passer pour un gars impatient. Je me reconnais tellement, là. Mais je commence à avoir froid, surtout aux pieds. Des bottes... Ça, j'avoue, des bottes auraient été de mise. Oh! C'est pas faux. C'est 2 pieds de neige. De mise, j'aime le... Par contre, je me dis que ça serait extraordinaire de consommer la perfidie des bas instincts de cette si jolie... Il a dit baiser, mais je voulais comme enjoliver. De cette si jolie femme. Et peut-être même redécouvrir le lien qu'on a eu dans le passé. Je laisse mon cerveau divaguer dans les fantaisies. Quand je me rends compte que ça fait 30 minutes que je suis debout comme un piqué à l'attendre. Oh. Feel you, bro, man. Oh là là. Je prends mon téléphone et lui texte que je vais rentrer chez moi. J'ai assez attendu. Je commence ma marche. Et après le 2e pas, je me rends compte que j'ai les 2 pieds complètement gelés. Je pouvais frapper dessus et je ne sentais presque rien. Oh. On est ben pitié, ouais. Bon, ok, génial. C'est touchant jusqu'à présent. On se croirait. Tu sais, comme. Dans, je pense que c'est dans la liste de Schindler cool. Quand il essaye de fuir le train, on dirait. Pareil. Pareil, hein. C'est la même chose. J'ai marché de peine et de misère pour me rendre chez moi. Une fois les 2 pieds dans un bain tiède, je reçois un texto de sa part. Elle me dit qu'elle est vraiment désolée. Raph s'est pointé et elle n'a pas pu venir me rejoindre. Je lui réponds, Raph? C'est qui, Raph? Elle me dit que c'est son ex, le père de sa fille. C'est Raphaël Morin, tout le monde. OK? C'est à ce moment que tout ce qui n'était pas clair ou embrouillé s'est alors éclairci de façon drastique. En secondaire 2... Oh boy! Oh mon Dieu! J'avais un gros crush sur Marie et elle semblait bien m'aimer aussi. Alors, on a commencé à sortir ensemble. Par contre, Raphaël lui tournait autour aussi. Ah, lui, le tabarnak. Ah, je l'ai vécu toute cette histoire-là déjà. J'étais quelqu'un de très timide avec les filles durant mon secondaire. Hein, Phil? Ben oui. Non, mais c'est parce que moi, les curés me donnaient des trucs. OK, tu veux pas que je fasse d'intervention. Et elle était une des seules avec qui je me voyais possiblement. Je l'ai donc invitée un vendredi soir dans un parc près de chez moi où elle devait me rejoindre. Mais elle ne s'est jamais présentée. Oh my God! Ben, ils ont littéralement repris là où ils ont laissé. Hein? À l'époque, j'ai su quelques jours plus tard qu'elle sortait avec Raph et qu'ils avaient baisé le vendredi dernier. J'étais anéanti avec complètement effacé ce moment de ma mémoire. Ah, OK. Donc, je résume. En secondaire 2, je résume, on a compris la calisse d'histoire, monsieur, là. Ben, en gros, c'est ça, il vient de résumer en 2 lignes la lettre qui vient de prendre 3 pages et 15 minutes à lire. Ouais. Fait qu'en gros, en secondaire 2, il y a 11 ans, il sortait avec une fille qui voulait aller au parc, OK? Mais là, attention, elle s'est pas pointée. Jeu du sort, 11 ans plus tard, tout le monde, dans un bar, il croise une fille, oh, attirante, rousse, poitrine voluptueuse. « Rencontrons-nous dans un parc à nouveau. » Et elle ne s'est pas pointée. Ouais. C'est triste. Tu sais, honnêtement, Thomas, même moi, je trouve que ça manque de croustillant, mais c'est correct, hein? Tout le monde est déçu en ce moment. Tu veux une idée croustillante? Ah, ben oui. Tu veux-tu dire... Martin, veux-tu lire ça? Ben, on peut la lire à deux, Martin, comme on peut un duo. On fait... Hey, celle-là? Les duos comiques. Ah oui? Oui, oui. Oh! Dis un mot, puis moi, je dis l'autre. Non, 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 non. Non, mais, gars,
On essaye. Ça va être on essaye. Ouais. Tu vois, les, moi, j'ai de l'expérience. Oui, oui. Ah, tu sais, tu regardes comme là-bas, là, puis tu vas voir, ça, ça va tout apparaître. Okay. Alors, j'ai une bonne date de voyage à vous raconter. La voici. La voici. Dans ma vingtaine, j'ai décidé de voyager... Continue. Non, non. Six mois en Europe seul. Ah ouais? Oh, c'est bon, ça. Étant une fumeuse de weed, j'ai évidemment fait un arrêt à Amsterdam pendant mon séjour. Ah ouais. Est-ce que tu fumes, toi, Martin? J'aime pas ta fumée. Des fois, je prends des petites gélules. Ah oui? Ouais. De THC ou de CBD? Un peu des deux. Un peu des deux. Un fin consommateur. Oh, j'aime pas fumer tant que ça. Ah ouais, OK. Parce que, en tout cas, j'ai une 7 en arrière, si tu veux. 7? Ouais, un 7. Il y en a qui comprennent. Pour moi, c'est la quantité, c'est ça, la quantité. 7 grammes. Ouais, 7 grammes. Ah, c'est beaucoup, ça. Pas tant. C'est énormément. Pour c'est vrai, énormément. Pas tant. Honnêtement, pas tant que ça. Je suis pas un gros fumeur. Ah. Oh, ça change la vie, Martin. Le cancer du poumon à 50 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une belle aventure. Tu serais pas porte-parole du CHUM, toi? Ça te tenterait pas, tu sais, comme... pas. T'es tanné, on dirait. Ben non. Ben non. Elle est restée 3 semaines à Amsterdam. Elle a fini par avoir ses habitudes. J'allais toujours dans les mêmes coffee shops et je m'étais lié d'amitié avec le personnel de l'un d'entre eux. Mm. Plus particulièrement avec le bartender de weed. Ça, ça arrive souvent. Tu veux-tu faire ton paragraphe? Oui, OK. Un soir, je suis assise à la terrasse du coffee shop en question et Mr. Bartender vient me voir. Ooh. Il me demande si j'ai envie qu'on se voit après son shift. J'accepte avec enthousiasme parce que je le trouve vraiment beau. Et parce que j'étais comme hypnotisé par son aura de hollandais. Le fameux aura hollandais. Les femmes ne savent y résister, OK? Ah, j'ai coupé les lèvres. Oui, oui, mais son aura de hollandais. Bartender de weed. Ah, ha, ha, ha. C'est plus drôle que le précédent. Oui, elle a ajouté un ha parce que là... Je le trouve cool, disons. Genre, pars donc à mon... Oh, et dans une auberge de jeunesse, ça, t'as pas dû connaître ça beaucoup, oui. Hein? Ah oui? Ben oui. C'est vrai, ça? T'as pas connu ça? Ben, je sais pas, t'as... je sais que non, mais j'avais pas ça à 20, okay. À 20 ans. Non, ah. À 20 ans, j'ai fait le tour de l'Europe avec un backsack dans les auberges de jeunesse. C'est-tu vrai? Ben oui. T'es... Non, mais hein? Ben oui. Pis t'as-tu moppé, pis t'as-tu ça? Je moppais pas, non. Non? Non. Mais t'as-tu croisé le gars qui est comme, hey, les auberges, c'est la vie, tu sais, gars, moi, je lave des toilettes depuis 6 mois parce ah, que. Ah, il était pas là, moi. Il était pas là? Non. Mais, OK, c'est pas grave, on peut continuer, ben oui, je pense. Oui, finis ton paragraphe. Il était pas je là. Je repars donc à mon auberge, prendre une douche et me préparer un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, pas petit peu, petit peu. Petit peu, un ben oui. Petit peu. Je retourne au coffee shop à 23 heures, heure à laquelle il finissait. Il me demande si je veux fumer un joint avant de repartir. Poli. Et j'accepte. Ben oui, parfait. Pendant qu'on fume, il me demande si je veux aller prendre un verre. Et si oui, si je veux le prendre dans un bar ou chez lui. Oh, tout... suspense. Oh, oh, ouais, oh, toi, oh, tu choisirais moi, j'irais, quoi, moi, j'irais chez le hollandais parce qu'il y a une aura. Ah, il y a une aura. Si c'est un aura d'hollandais, tu vas chez lui. Non, tu vas chez eux. C'est en sorcelant. Non, pour vrai, ça ils n'ont même pas besoin d'électricité tellement leur aura chauffe la maison là-bas. Là, c'est malade. Je réponds chez lui. Il me fait un petit sourire en coin et je vois qu'il comprend mon message. C'était quoi le message? C'est comme un cochon. Ah! Oh! 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 Ah! Oh, hey, ouais. J'aurais pas deviné. Ben, je sais bien. Veux-tu lire le paragraphe? Il est plus long, lui, fait que il ça se peut que ça prenne 6 heures. Ouais, vas-y. Parce que. Tu liras lui après. On va lire la dernière ligne. Ça commence ligne. Par sexe. Oh, oh. Je vais lire lui. OK. On se met en route, il habite un cute petit bachelor non loin du Red Light. Hey, as-tu été là non! déjà? Oui, je suis allé à Amsterdam. Ah oui, puis dans le Red Light? Oui. Ah, mais qui va à Amsterdam? Mais j'avais 20 ans. T'avais, moi, j'avais 9 ans quand j'y étais au Red Light. Oui.
T'es-tu allé dans une auberge de jeunesse? Non. C'est la pire auberge de jeunesse que j'ai faite de ma vie. C'est-tu vrai? C'était dégueulasse. Y avait-tu des Portugais qui criaient ou ils n'étaient pas là non plus? Ils n'étaient pas là. Mais c'était sale et ça puait. Ah ouais? T'as-tu fait l'amour là-dedans? Non. OK. Alors. Red light. On prend un verre, mais comme je préfère fumer, on se remet au weed assez rapidement. Nice. Mm-hmm. Fume, parle, jase. À date, c'est une soirée avec moi pour vrai. Wow. Là. Monsieur Bartender finit par mettre de la musique et me demande de le rejoindre pour danser. Ah? Je suis zéro danse. Je t'ai coupé, hein? Ouais. Mais OK, pourquoi pas, hein? La musique est propice au rapprochement. Alors, assez vite, on commence à s'embrasser. Il me dirige vers son lit et les choses sérieuses commencent. Mm. Ah, je peux faire entre parenthèses, t'aimerais ça la oui, faire. Oui, hein? J'aimerais ça. Vas-y. Petite parenthèse ici. Je ne sais pas si c'est propre au... Je voulais parler du hollandais. Oui, je voulais. Je ne sais pas si c'est propre au hollandais, mais pour avoir couché avec deux autres hollandais dans ma vie, c'est vraiment juste un addon bizarre, tout le monde, là. Ils sont vraiment libérés sexuellement parlant, quoique gentlemen. Ils savent mettre une fille à l'aise, mettons. Fin de cette constatation personnelle et de la parenthèse. Wow! Tu l'as bien eu. My ouais. God! Presque pas d'aparté. Mais il y en a une après. Tu veux t'enchaîner ou... Oh non, vas-y. J'enchaîne. Oui. Le sexe est vraiment bon, mais il vient plutôt rapidement. Ah. Mm. C'est pas grave, parce qu'il se met à manger et me doigter. Je suis tellement heureux d'avoir échappé à ça, là. C'est fun! Pourquoi c'est tombé sur ma ligne? Eh bien, l'instinct, Martin, c'est ça. Il le fait jusqu'à ce que je vienne. C'est fin. Une fois fini, couché dans son lit, ça se met à me gratter entre les jambes. Ça, c'est moins gentleman à date, là. Rapidement, ça se met à me brûler, à gratter, et vraiment beaucoup. Ouch. Et ce n'est pas... vas-y donc. Ah ouais. Allez. Non, mais... Vas-y. Et ce n'est pas juste... Ben, c'est dans le sens... Non, mais lis ce qui est écrit. Oui! C'est l'image que j'essaie... Là, j'essaie de me détacher en la partageant, là, comme une toune dans la tête, un peu, là, tu sais. OK. Et ce n'est pas juste mes lèvres qui grattent, mais aussi... L'intérieur de mon vagin, au point où j'ai... Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ça t'arrive. Non, ça nous arrive tous. Ben oui, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, je suis pas dans le jugement. Ouais. Au point où j'ai envie de me rentrer une brosse à dents pour me soulager. C'est beaucoup. Entre parenthèses, j'y ai pensé sérieusement. Non. Tu vois, ça récuré, là. Ouais. Non, mais un moment donné, j'ai daté un gars puis j'avais tout le temps des vaginettes. T'avais une brosse à dents? Non! Oui, la brosse à dents quand on... Je pense que... Vas-y, je te... La brosse à récurer de toilette, peut-être. C'est plus 360, je sais pas, mais... C'est plus gros aussi. Plus gros. Je ne comprends pas. Lui non plus. Ben non. Je vais aux toilettes et là, j'aime pas la... OK. Je me rentre un doigt pour savoir s'il n'y a pas de sang ou quelque chose, mais non, rien. C'est de la santé sexuelle. C'est ça. C'est de la conscientisation en ce moment. Cependant, Le gouvernement donne un chèque pour ça. Je sens et vois que mes lèvres sont rouges et enflées. Oh, je capote. À ce moment-là, M. Bartender cogne à la porte et me demande si ça va... Je me demande si son aura est rendue où à ce moment-là. Là. Son aura de Hollandais. Il est rendu à sa chatte. Elle est concentrée dans les petites lèvres. Il me demande si ça va. Alors, j'ouvre la porte, gêné, lui explique mon problème. Inquiet! Il se penche pour regarder et sa face me confirme que ce n'est pas cool. Ce qui est sûrement... La pire constatation. Attends, je veux juste... Oh, tabarne. Tu l'as bien mimé. Ouais, oui, je pourrais... Martin, t'as fait un très beau vagin.
C'est vraiment réussi. On voit ton gémeau. Merci. Où t'as interprété une vulve, c'est pas bien. Presque rien fait. Une vulve enflée. Une vulve enflée. Ouais. Il me dit d'aller dans la douche, de mettre de l'eau froide. Pauvre lui, il ne savait pas quoi faire. Pauvre ben, toi, madame. Vas-y, vas-y, c'est le tien. Ah oui, OK. Ben oui. Ben oui. Je sors de la douche. L'eau a fait du bien, mais ça gratte encore. Ben oui. Et là, on se creuse la tête. Il se creuse la tête. Mm. On finit par comprendre. On a... Ah, ça, je suis pas d'accord, par exemple. Non? Non. On a beaucoup fumé pendant la soirée et c'est toujours lui qui roulait et donc coupait le weed. Ah, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Je veux pas de diffamation sur mon herbe préférée, là, OK? On a beaucoup fumé, oui. Et il n'utilisait pas de ciseaux de grinder. Ça, c'est un vrai pour couper son weed, mais un genre de... Ah, oh, râpe à fromage. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est... Non, c'est vraiment hot, ça. Pour faire ça. Anyway, du coup... Il manipule beaucoup de weed quand il roulait. Alors, lorsqu'il m'a doigté, il avait... Qui dit encore doigté? Moi. Ouais. Moi. Tom à tous les jours. C'est vrai? Ah oui. J'aime ça dire ça. Passer le doigt. Non, non, doigté. Rimer le ring, tout ça. Tu dis ça, là? OK. Ouais. J'ai dit, vas-y, je demande, peux-tu doigter? Ben, tu dis de même, non. Je suis occupé. Mais ce que tu dis pas, c'est que t'as ta fille sur les genoux quand tu demandes ça ou pas? Je pose la question parce que ça se peut, hein? Non, non, non. Alors, lorsqu'il m'a doigté, il avait probablement encore de la petite poutre de THC sur les doigts. J'en ai eu sur les lèvres et dans le vagin et ça me fait une irritation. Aucun de nous deux n'avait pensé à ça quand on a commencé à fourrer. Ah, t'es gelé quand c'est arrivé. Imagine, t'es gelé pis t'as... Bref. Mais c'est pas si pire, Thomas, ça. C'est si pire. C'est pas non, tout le monde non, là, non. Qui fume tout le temps, là, tu sais. Non, ben, en tout cas. Ah, bien une autre page. Ben ouais. Et ça a commencé quand on a fourré, parce qu'on s'est retrouvés dans le lit rapidement, tu sais, c'est prestement, puis tout. On a passé le reste de la nuit à discuter. Ah, oh, moi, avec une débarbouillette froide sur la noune. Pourquoi? Quoi? Tantôt, on utilisait le mot vagin et lèvres, là, on dit noun. C'est violent un petit peu, là. Oh, mais quand ton vagin est malade, il devient noun. Ah, c'est ça, hein? C'est comme ça. À quel moment il devient snatch? Oui. Quand est-ce qu'il devient snatch? Quand il y a des choses qui coulent. Quand ça coule, c'est une snatch. C'est ça, OK. Ouais. Merci que vous êtes là pour moi. Je suis là pour ça. Oui, bien sûr. Alors, moi, avec une débarbouillette froide sur la noutre qu'il allait me mouiller à la demi-heure. Encore. Oui, l'humour est jamais tombé. Oui. Là. Jamais. L'humour est jamais tombé. Ça a désenflé, mais c'est encore rouge et irrité le lendemain. Il est venu avec moi à la pharmacie pour acheter une crème et pendant qu'il expliquait en Dutch au monsieur au comptoir pourquoi on avait besoin d'une crème, ben, je voyais le monsieur, le pharmacien, I guess. Oui, en général, l'homme derrière le comptoir à la pharmacie, on appelle ça un pharmacien. Oui. Des fois, c'est le commis. L'humour, c'est de l'art de l'observation. Fait que c'est comme ça que je l'ai... T'es là. Oui. Et ça clique full. Ben oui. Me regarder avec un sourcil relevé, full interrogateur. Hey, je pense que c'était ça le plus gênant. Nous avons passé le reste de mon séjour à Amsterdam ensemble et nous sommes restés en contact sur les réseaux sociaux. Bon, ben... C'est une belle fin. Très mémorable comme histoire. Alors... Ouais. C'est pas fini, hein? Non, non, il y a une morale. Il y a une morale comme dans tous les contes. Alors, les hommes fumeurs de weed, lavez-vous les mains avant de tripoter qui que ce soit, s'il vous plaît. Parfait. C'est dit. Hein? On se lave les mains. Ouais. Lavez-vous... Ben, hey! Je vais me permettre juste... Juste un petit complément d'information. Je dirais pas juste les hommes qui fument du weed. Je dirais les hommes avant de tripoter. En fait, tout le monde, lavez-vous les mains. Ouais. Ça... Oui. Puis pensez à l'autre, préparez du pH pour le rééquilibrer. Puis soyez avenant. Ouais. Ayez l'aura d'un Hollandais. C'est ça la morale de l'histoire. Courte date? Parfait, je l'ai une courte date. Ça fait déjà quelques années de ça, j'étais sur un site de rencontre que je ne nommerai pas. Tinder. Mais qu'on pourrait catégoriser comme étant la version Wish de Tinder. Ah! Bumble. Bumble. Ah, Bumble. Non, je pense Bumble, mon classeur. C'est
Ah oh oui, l'affaire de Marc Boilard. Ouais, Marc, mon classeur. OK. T'as-tu été sur mon classeur, Martin? T'es en relation, non, je sais pas c'est quoi. Ah, OK. C'était un essai de rencontre de Marc Boilard où est-ce qu'on pouvait classer les gens avec des codes de couleur. Ouais. Ah oui, même ouais. Bumble, j'ai jamais été là-dessus. T'as-tu été sur Do You Look Good? Ni Tinder. Ni Tinder? Non. Ah ben... Zara? Non, Zara, Zara, oui. J'ai déjà acheté des culottes. Oui. J'ai acheté des culottes. C'est ça, Zara. Mais c'est pas... Là, tu vas chez Zara pour cruiser, là, tu tasses des filles. Ouais? Ouais? Ah ouais. Continue, ouais, mon amour, je t'en prie. Quand t'es désespéré. Ben oui. Après quelques échanges par texto, Gabriel, pas besoin de laisser ça anonyme. J'espère qu'il va se reconnaître. M'invite chez lui. Je me rends dans son petit logement dans le chic quartier Saint-Sauveur de la Basse-Ville de Québec. Pas chic. On passe quelques heures à jaser de tout et de rien, sauf de sexe. Ah! Oh, jusqu'à présent, je me reconnais. Ah! Oh, à la fin aussi, tu vas pareil. J'espère que c'est pareil jusqu'à la fin. Tu te reconnais? Pareil. Mesdames et messieurs, imaginez Phil tout le long, s'il vous plaît. J'étais assis sur son divan et lui était assis sur le coin de son lit. Ah ouais? Pas proche. Ah ouais? Ah ouais? Aucune porte n'a été ouverte. Non! Tout d'un coup, il se lève et dit qu'il a envie de prendre une douche et que ce sera pas long. Ouais. Qu'elle a c'est ça quoi va? Le problème, Adam? On aime ça propre, parfait. Pourquoi il faut qu'il se reconnaisse là-dedans? OK, là? Fine. J'enroule un et je l'attends. En sortant, il avait juste une serviette autour de la taille. Il se dirige vers le réfrigérateur pour prendre quelque chose, mais je ne voyais pas super bien. Okay. Bref, il se place directement devant moi, drop sa serviette, le seul obstacle entre sa nudité et ma face, ouvre un petit cup de pudding au butterscotch. OK, là, c'est là que je débarque. Là... Non? C'est pas toi. Hein? Non, moi, c'est la vanille. Ouais. Mais... Ah ouais? C'est pas toi. Non. Qu'est-ce qui se passe après, vraiment? Ouais. Il trempe sa graine dedans et me regarde bien sérieux en disant « T'as faim? » C'est quoi le problème? C'est une question... C'est généreux. C'est un autre. Ouais. C'est important de... Est-ce que tout te va bien? As-tu faim? Je peux-tu faire... Tu sais, c'est... Ouais. Qu'on sait recevoir. La politesse. La politesse. Toi, Martin, est-ce que tu inclus de la nourriture parfois dans ta vie sexuelle bon, amoureuse? Non. Tu as des bons rabais, pourtant, ça vaudrait la peine. Ouais. Ouais. Mais pensez... Écoute, rire de même, c'est même pas légal. Si jamais pour ton prochain show, Martin, je pense que t'as un gag, là, gratis. C'est pas légal. Tu vas te faire arrêter. Comme le karma fait bien les choses, je suis diabétique aujourd'hui. Ça m'apprendra à manger des graines au butterscotch. Ah ben... C'est qu'elle l'a fait! Elle l'a fait! Elle l'a eu la leçon! Non, mais elle l'a faite! Elle l'a... Non? OK. Elle l'a faite? Oui. Ben, je suis prêt pour l'ultime date qui... Veux-tu lire l'ultime date? Ça a l'air long. Non, OK. J'ai peur. T'as peur? Vas-y, vas-y, merci. Non. Okay, vas-y, t'es bonne. On va commencer. Est-ce que tu crois en moi, toi? Je crois en toi. Moi, OK, parfait. Crois en toi, va au bout de tes rêves. Parfait. Bonjour à vous. Il y a quelques années de cela, j'ai vécu la pire rencontre de ma vie, à un point où j'ai même eu la chienne de ma vie. Oh. J'étais sortie à l'Abreuvoir à Montréal avec un ami un vendredi soir. Yeah! Fans. All right. Nous avions été souper plus tôt et nous nous sommes dit « Hey, pourquoi pas aller prendre un verre? » Fin de la citation. OK. C'est ça la... Okay. Ouais. C'est ça. Il y avait beaucoup de personnes ce soir-là et attendions longtemps au bar pour se faire prendre une commande. Une fois, pendant que nous attendions... Mon ami aborde deux filles à notre droite, très jolies, avec un look un peu gothique. Ouvre la parenthèse, description d'une fille gothique, attention. Cheveux noirs, vernis noir et habillée complètement en noir, fin de la parenthèse. Ouais. Pas mal ça. Mais c'est gothique ou femme chat, là? C'est gothique ou c'est son neutre de sang? Ou c'est toi en ce moment aussi? Ben oui, c'est hein? Ça, je sais pas. Hey, t'as vu dans un Abreuvoir? Il manque juste le petit cutex, mais fut une époque où ça se donnait. OK. Nous finissons par leur payer leur consommation et aller s'asseoir avec elles. S'asseoir. Oui, mais là, je lis comme c'était... Gothique, c'est... OK. Très
très agréable et sympathique, tout allait très bien. Une fois la soirée terminée, on se dit au revoir, mais voyons qu'elles allaient se prendre un taxi. N'ayant quasiment pas bu et en état, je leur offre de les reconduire. Une fois chez elles, parenthèse, elles étaient coloc. Oh! Oh! Mais non, mais c'est pas... Mais non, mais là! Celle-ci nous propose de rentrer prendre un dernier verre avec elle. Sans hésitation, nous acceptons. Une fois à l'intérieur, je vois la décoration vraiment étrange. Elles allument beaucoup de chandelles et tout est soit noir ou rouge, partout avec un livre étrange sur une tablette où je pouvais lire, attention, ouvre les guillemets, sortilège, ferme les guillemets. Yeah! Sortilège? C'est excitant. Ah, c'est comme des... Moi, je suis excité. Ah, c'est comme les sorcières au début de Macbeth. Pareil. Pareil. Il y en a deux qui l'ont comprise. Ça, c'est, hey, ça, moi, je trouve que c'est un GG. Ça, c'est mes bon, soirées ça. D'humour, ça. Ah oui? Deux rires sur 1200. C'est excellent. Ah oui. Si dans tes soirées, tu réussis à toucher deux personnes, ouais. C'est, ça vaut pas la peine. Bien bon. Crois-y, va au bout de tes rêves. Hey. Sur le coup, je trouvais seulement ça un peu comique en me disant « Coudon, suis-je chez des sorcières? » Ouais. Ça ne prend pas trop de temps que chacun de moi et mon ami s'éloignons et s'isolons chacun avec l'une d'elles. Chacun. Dans le sens que là, j'ai pas compris, ils se retirent chacun de leur côté en ou en conciliabule? Avec les jeunes femmes. Chacun seul avec une femme. Chacun des duos. Ouais. Chacun il y a des duos qui chacun. Se forment. Ouais. Puis là, oh, ouais. Voilà. Oui. Là, on va être dans la chambre, donnez duo. Oui, alors, on enchaîne. Après quelques caresses et baisers, elle me propose d'aller dans sa chambre. Oh, on n'était pas encore rendu, excusez. Oh. Ah. Une fois là, je commence vraiment à sentir des mauvaises énergies. C'est curieux. Et m'inquiéter. Il y a des écritures en latin sur les murs et une étoile satanique. Ben, c'est un turn-on, le latin, là. Je vois pas le problème, là. Sérieux? C'est beau, les étoiles. Ben... What the fuck? J'essaie de garder mon calme et me dis, ouvre les guillemets, bon, ce n'est pas grave, tu vas avoir du bon temps et tu ne la reverras jamais anyway, ferme les guillemets. On a pas eu déjà cette phrase-là ce soir? Souvent. C'est schéma de pensée récurrent. Parfait. Elle me dit de l'attendre quelques instants, qu'elle allait revenir sous peu. Je me dis qu'elle va probablement aux toilettes. Pendant ce temps, je suis là, assis sur le lit, vraiment mal à l'aise en regardant tout ce qui m'entoure. Elle revient. C'est une scène exceptionnelle, là. Le gars dans le Blair Witch Project qui attend, là. Avec sa sorcière dans le coin. Ouais, c'est quand même exceptionnel, ouais. Cette scène. Lui, tu sais, il doit avoir mal, là, à ce moment-là. Il n'y a pas un moment où il dit « T'aimes ça, toi, les affaires macabres? » Ouais. De quoi non. Il parle, tu sais? Comment t'abordes? Juste, tu vois un livre de sorcellerie, puis tu fais « Ah ouais, fait que... » T'as-tu lu le dernier Joël Dicker? Ouais. Elle revient 3 minutes plus tard, complètement nue. Cool. OK, c'est bon. Bon. Avec une tête de cochon sur la tête et du liquide rouge sur elle. Là... Là, il y aura un bémol. Là, il y aura un petit bémol pour mais moi. C'est excitant. Ça, mettons, c'est là... Hey, cochon et tonton. Ah. Martin, mettons que ça t'arrive, là. Qu'est-ce que tu fais, là, à ce moment-là, là, mettons, là? Est-ce que tu te dis rendu là? Est-ce que tu te dis... C'est-tu quoi? Je vais montrer que je suis cochon. Je prends la tête, je fourre la tête. Ensuite, je fourre la main. Ah, tu fais un Luca Rocco Magnotta, ouais. Dans le fond. Oh, my God. Oh! Un hommage. Je peux pas enchaîner. Je vais m'abstenir. Ouais. Rassurez-vous. Il est marié aujourd'hui, cet homme-là. Il a trouvé l'amour. Et si Rocco Magnotta a trouvé l'amour et pas toi, c'est toi le problème. Parce que lui est capable. Lui est capable. Quand on veut, on peut. Alors, rassurez-vous, ce n'était pas une vraie tête, ni du vrai sang. Ah, elle avait mis du faux sang. Oui. Qui fait ça? Qui fait ça? Je reviens, attends. Psst, tu sais, comme. Qui, comment? Le protocole, je veux le comprendre. Moi, j'aime aussi le. Tu te mets du sang, tu te mets la tête, là, tu te regardes dans le miroir, puis tu fais. Je suis prêt. Il va être excité. Hein? Il va. Il va. À tout aimer coup, ça marche. Là. Okay. Je suis sûr qu'elle étudie en théâtre en passant. Je suis sûr et certain. C'est certain. C'est sûr. OK, alors ce n'était pas une vraie tête ni du vrai sang, mais vraiment trop étrange tout de même, hein? Tout de même. Tout de même. Tout de même.
Je venais de perdre toute envie de coucher avec elle et avait seulement envie de partir. Ah ben. Elle me dit, ouvre les guillemets, es-tu prêt à être mon sacrifié? Oh! Êtes-vous... Moi, je suis prêt. Oh! Ça a l'air bon. Non? Est-ce du monde prêt? Personne! Ça excite personne. Je pense que c'est la tête de cochon qui freine un peu. Le faux sang. Tout ça. Oh. Le latin, je crois. Ouais, il y a une affaire. Mais rendu là, c'est ça. Rendu là. Ça doit être bon. Dans la peur et trouvant la situation beaucoup trop étrange, même si une part de moi se disait que c'est probablement juste un fantasme weird, je me disais tout de même qu'on ne sait jamais à qui on a affaire ne prendrai pas la chance de me faire sacrifier cette nuit. Ça finit de même? Non. OK, few. Je me levis. Oh! Il se levit. Ça, c'est le gars qui s'est assis. Oui. Il se levit. Après s'être assis. Oui. Je me levis. C'est la meilleure. Et parti directement chercher mon amie sans dire un mot à celle-ci. Pris de panique, je lui dis « On s'en va, je t'explique cela dehors, s'il te plaît. » Je ne comprends toujours pas ce qui s'est produit et ce que ça voulait dire, tout cela, mais une chose est certaine, 2 points. J'ai eu salement peur et ne me suis jamais sentie autant inconfortable que dans cette chambre. Bon, mais oui, la morale lorsque de l'histoire. Lorsque j'en parle, je shake un peu encore. J'ose espérer que c'était seulement un fantasme tordu, mais bon, elle aurait pu me prévenir si c'était le cas. À moins qu'en septembre, elles étaient déjà en mode Halloween, je ne comprends pas. En mode Halloween? C'est pas un mode Halloween. C'est pas un mode Halloween, là. C'est pas comme, elle aime vraiment les... Non, non. On se déguise rarement comme ça. Oui. On fait pas ça tout nu avec une tête de cochon pis faux sang. Va prendre mes bonbons, s'il vous plaît. Fais pas ça. C'est rare. C'est pas la tendance de l'année. Les enfants, jamais. Les enfants ont jamais fait ça. Peut-être. T'as Spider-Man, pis t'as la petite fille avec la tête de cochon. On avait encore la tête de cochon. Sacré Mathilde. Peut-être véritablement des sataniques, qui sait? C'est pas les sataniques, ça existe. Moi, le coloc, il n'y a pas de témoignage du coloc. Lui, il avait-tu une tête de brebis ou c'était... C'était-tu une thématique dans l'appart? C'était quoi, là? Parce que c'est pas si pire, je trouve, pour vrai. Sacrifice, Phil! Non, mais... Un peu. C'est spécial. Oui. Le faux sang. Le faux sang, c'est là où, moi, pour moi, il y a peut-être un excès, mais... Jusque-là, je trouve que je garde le cap quand même. Mais moi, le livre étanche seul sur une tablette où je pouvais lire Sortilège, je sais pas. Bon, là. Ça... Ceci dit, si je vois sur une tablette le livre économisé simplement... Non, toi, t'as pire. Je reste. Toi, t'as le... Ben oui, puis t'as le livre d'Éric Zemmour en plus dans le salon. On l'aime. Ouais. Des bonnes idées. Ouais. Ben oui. Ils aiment pas les autres. Thomas non plus. Martin... Mais Thomas, t'es cheap, pour vrai? Non. Oui, oui, oui. Et? Non. Et? Ah oui? Et? Ouais, mais c'est comme ça qu'on devient riche, non, Martin? Non. Non. C'est pas de même, gros. Non. Non. Non, Thomas, pas à ses amis. Thomas m'a déjà dit que sa fille l'inscrit dans tous les sports pour pas qu'elle aille à l'université parce que ça va coûter trop cher. Lui, il l'inscrit dans tous les sports? Ouais. Ah, ouais. Il espère qu'elle se rende pas loin à l'école pis tout pour que ça ne coûte pas trop cher en prêt et bourse. Je dis tout le temps ça. Et tout le temps. Tu as sens d'arrêt, je l'appelle la nuit. Non, sais-tu ce qu'il fait pour vrai, de vrai, de vrai, de fucking vrai? Non, je ne sais pas. OK. Dis-moi si c'est pas un gars cheap. Il parie, OK, sur des games de basket. Tu sais, jusque-là, tu fais, c'est un problème de jeu, c'est pas grave, on vivra avec ça. Pas le premier. Sa famille va aller en bas, mais c'est pas grave. Et là, il gagne combien? 13$, 17$. Jamais des fortunes qui font un film. Là, il nous texte comme à 2h du matin. « Woo! Let's go! » Avec le fruit de ses gains. Ils sont 17 $ Ouais. Et là, il espère que nous, on va être comme « All right! » C'est pas cheap. C'est pas cheap, mais c'est un problème. C'est un problème. Oui. C'est un problème relationnel avec l'argent, ça, c'est clair. Ça, c'est évident. C'est pas bon, non. Puis après ça, comme on répond pas, il accumule une frustration. Ah, un autre problème. Fait que là... Il nous renvoie le lendemain matin, mais quand je te dis le lendemain matin, c'est 5h30, 6h.
des print screens de, je sais pas où tu trouves ça, mais de conversations, mettons, de pères homophobes ou de gars de prison ou de tweet fight comme de gars de prison. Puis là, il est comme juste intense ou cool. Puis à chaque fois, ça, c'est, tu te réveilles le matin, puis tu sais, OK, deux gars qui veulent se frapper en prison en Californie, ça, c'est le bienvenu dans la journée de Thomas, tu vois. Puis ça a un lien avec son 13$ ou 17$. Oui, parce qu'en fait, il est pas capable de canaliser sa joie, fait qu'il l'exulte avec des print screens, parce que nous, nous étant Arnaud et moi, on capote pas sur quelqu'un qui fait 17$. Ah, non. Non, en général, on n'est pas en 1922, là, ah, tu sais. Ouais, ouais. On n'est pas comme, oh mon Dieu, tu peux t'acheter un hôtel, wow, avec ça. Ouais. Fait que, un chemin de fer. Ouais, tu peux investir dans le chemin de fer. Ouais. Ouais, c'est une camisole chez Zara, c'est c'est pas ça. Non, non. C'est pas ça, il pourrait. Mais... Non, non. OK. Il demande tout le temps des commandites. Tu as donné des conseils aux jeunes humoristes. Pour conclure, est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui cherchent l'amour? Ouais. Et où le sexe? Moi, je dirais, pour être. Honnêtement, j'aurais cru en toi. Va au bout de tes rêves. Vas-y, j'ai pas... Sois toi-même, c'est ça que tu fais, oui, toi? Oui, oui, oui. T'as joué l'amour? Oui. Oh, je sais pas. Ben, wow. Dans le sens où, là, je sais... Oh! Ben oui, je veux dire... Oh, t'étais pas sûr? Oui, j'étais sûr. Non. Est en coulisses, boire. Ben oui, mais c'est pour ça que là, je me sens mal, mais... Ben oui. Non, mais... bien. C'est la bonne émotion. Mais pourquoi tu l'aimes plus ou dis-le? Ouais. Et là, là. Non, mais ça va être fait. Je vais te faire plein de monde. Ça se dit? De... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui a cassé? Qu'est-ce qui a... Non, je pense... Non. Moi, je l'aime. Moi, je suis amoureux. Moi, je veux continuer. Moi, j'ai aucune question à me poser. Mais... J'ai l'impression qu'après ce qu'elle vient de voir ce soir, peut-être qu'elle, elle a des questions à se poser. Tout, elle comprendrait. Un Martin? Ben oui, je la comprends. Ben oui. Non, mais... c'est ça. Il y a souvent des filles comme ça qui donnent... c'est comme... Mais je comprends. Tu comprends. Qui se sacrifie pour l'équipe un peu. Sacrifié. Mais c'est le syndrome du Saint-Bernard, genre. Ouais. On va le sauver. Tu baves beaucoup, puis c'est quoi, là? Ouais. Je sauve des gens dans des avalanches. T'as pas un petit baril? Je t'ai imaginé que ton habit fait un baril de bois. Ça m'a fait rire. Ça te ferait bien. Ça serait un bon costume d'Halloween. Si tu veux te déguiser en la soirée de ce soir, à l'Halloween, tu te mets un petit baril puis deux gros boucliers. Oui! C'est quoi le problème? Ben oui. Je le souhaite. Moi, je dirais être soi-même. Ouais. C'est ça la clé. La clé, hein? Pour être soi-même. Puis toi, même en étant toi-même. Je peux-tu faire quelque chose qui va. Anthony va être en colère. OK, quoi? On est une autre date. En ce moment, le réalisateur de l'émission Anthony Hamelin qu'on adore va me tuer, mais on va lire une autre date. OK. Tu la. OK. J'y vais. Vite. OK. Te souviens-tu le film L'Histoire sans fin, Martin? T'as pas un hommage. On fait ça vite, on s'en va. Tom, il est jamais capable de finir les shows. OK, pour commencer... Moi, je peux t'aider, ça. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Là, on peut pas après que... Je sais bien. Mais montre donc ton talent de lectrice rapide. Ça commence par « OK, pour commencer... » Ah, je peux la rapper? Ouais, rap! Ouais! Ouais! Ça va aller vite, ça va aller vite. OK, pour commencer, je sais pas si je peux raconter cette date, parce que je suis pas celle qui était en date. Mise en contexte, j'étais depuis 4 ans en relation avec un gars qu'on va appeler Oli. Je vais être franche, notre relation était catastrophique. Mais comme... C'est pas « Envoyez-nous une résumé de vos relations toxiques. » Je vais pas m'étirer là-dessus. Donc, c'est ça. Je faisais 3 semaines que je travaillais 14 heures par jour, 6 jours sur 7, donc je donnais pas beaucoup d'attention à mon copain, mais je le faisais vivre. Je comprends rien, là. Elle travaillait beaucoup. C'est simple. Okay. C'est simple. Elle travaillait beaucoup, puis elle avait pas beaucoup de temps à donner à son copain. Okay. Très simple. OK? On peut pas tout avoir, tu sais. Oui. Et ce soir-là, j'avais fini 4 heures plus tôt. Je voulais lui faire une surprise, donc je lui ai pas dit. Vous voyez où ça s'en va, hein?
Oli, lui, qui n'avait pas prévu que je finisse plus tôt, s'était prévu une date avec une fille qu'il avait rencontrée sur Jalf. Jalf, j'ai joué avec le fantasme. C'est un site pour les gens cochons. Ah oui? Ouais. Un peu plus tôt, dans la semaine, il avait pensé à tout. Vaisselle sale cachée dans le four, linge sale en tas dans notre chambre d'invité. Qui fait ça? Vider une demi-bouteille de Febreze, même à faire la litière des chats. Quoi? Il cache le fait qu'il y a comme une autre fille dans la maison pour en inviter une autre. Non, non, ouais. mais qui... Oh. Ouais, il cache le ménage. Ouais, la litière, je sais pas c'est quoi le rapport. Il met ouais. des Febreze dans la litière. Ben, la litière, c'est un plus. J'ai déjà fréquenté une fille qui avait un chat, puis s'occuper de la litière, c'était un net plus. Là. C'était ma meilleure qualité, paraît-il. C'est pas compliqué. L'appart était rangé de la même façon que je rangeais ma chambre d'ado quand ma mère me disait « Ouais, tu peux avoir des amis à la maison si tu ranges ta chambre. » La technique de camoufler au lieu de ramasser. Ouais, ben ouais. L'heure d'être se passait quand même bien jusqu'à ce que je finisse de travailler et arrive en plein milieu de l'heure souper. La face de Chloé, sa date valait 100$. Une face de genre, c'est qui ça? Je suis rentrée et j'ai juste vu mon chum et une fille très collée sur mon divan à écouter The Office en mangeant de la pizza. Pire date. Il y a un gars qui dit, m'as-tu fourré ma chienne, ça va être malade. Il arrive, on va écouter The Office. Oli m'a juste regardé avec des gros yeux. Il m'a dit, ah, tu finis plus tôt. J'ai pas été capable de répondre et je suis juste partie chez une amie. Après quelques heures et quelques shooters, j'ai décidé de retourner chez moi. Lorsqu'en rentrant, j'ai réalisé qu'il y avait encore des souliers de filles dans l'entrée. J'ai pogné un S 2 minutes. C'est là que les fils se sont touchés dans ma tête. Je suis rentrée dans ma chambre et les deux dormaient profondément. Et surtout, les deux étaient complètement nus. Ah ouais! Ah! Ah, ah, ça m'est arrivé. Telle la jeune femme de 20 ans immature et légèrement dérangée que j'étais, j'ai été prendre le reste de mes lasses que j'avais, un fond de yogourt passé date, et j'ai même été prendre un petit plat de litière à chat. Oh, 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 oh. Je leur ai toutes versé ça dessus. Oh. En prenant bien soin de viser... en prenant bien soin de viser leurs cheveux et surtout leur visage. Je leur criais après, je leur ai craché dessus aussi. J'ai été en crise pendant presque 15 minutes. 15 minutes quand tu cries et détruis tout ce qui tombe sous la main. Leur sel de la Xbox de lit y a passé. C'est très long. Là, t'es devenue franco-ontarienne, c'est le fun, là. J'ai dit à mon ex, je vais prendre ma douche, vous êtes mieux de plus être là quand je reviens. Quand je suis sortie de la salle de bain, lui était parti, mais pas elle. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Intéressant! C'est là qu'elle m'a raconté que quand je suis repartie la première fois, elle lui a dit « Ah! C'est ma coloc, qu'elle est spéciale un peu! » Elle aime pas que je Elle aime pas que je l'avertisse pas quand j'invite du monde à la maison. Je l'ai laissée prendre une douche, elle aussi, je suis allée la porter chez elle. Donc voilà, j'aurais aimé qu'elle écrive la date de son point de vue, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Oh! Bravo! Mesdames et messieurs, applaudissez Martin Matt et Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques! Merci à vous, merci à toute l'équipe du Club Soda, merci à notre équipe technique, notamment Anthony à la réalisation. Merci beaucoup! On vous aime vraiment beaucoup! Merci Thomas.